Eh bien Yann, merci de nous recevoir. Trop chouette d'être ici. On a tellement entendu parler de ta ferme. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire comment t'es arrivé au maraîchage, comment t'es arrivé ici, c'est quoi ton parcours, d'où tu viens? Alors en deux mots, donc là on est en Limousin, on est à côté de Limoges, 30 km à l'ouest de Limoges, près de Saint-Junien, un petit village qui s'appelle Saint-Martin-de-Jussac. La ferme est installée depuis 9 ans, ça a démarré en 2014. Avant ça, j'étais producteur de figues pendant 2 ans dans la région de Perpignan. Et avant ça, je faisais du spectacle, j'étais dans le spectacle. Théâtre, musique, festival, voilà, à Elne. Top. Et donc ta formation au maraîchage, au final, c'était compétences en vigne? Non, pas en vigne, en figue. En figue, pardon. Non. Non, la figue, ça ne m'a pas appris grand-chose sur le maraîchage. Ça a commencé, donc j'étais dans le spectacle. Sans trop comprendre les tenants et les aboutissants du spectacle. J'ai vu une conférence de Franck Lepage qui m'a tout expliqué. Quand j'ai vu Franck, j'ai dit j'arrête le spectacle. J'ai enchaîné avec une conférence de Rabhi et de Bourguignon. Et là, je me suis dit, bon, en fait, il faut faire son jardin, c'est comme ça. La transition qui s'est faite, je passe les détails. Du coup, il y avait l'opportunité de récupérer un verger de figuier familial pendant 2 ans. Là, j'ai vu que la monoculture avait quand même ses limites. Il faut tout vendre à un grossiste et je me retrouvais salarié indirect des grossistes. Et donc, le seul moyen que je voyais d'être autonome de A à Z, c'était le maraîchage en faisant des paniers. Et c'est comme ça que c'est parti. On a quitté le sud parce que le foncier était inaccessible et c'était pour acheter un terrain plein de cailloux, plein de désert, c'était pas la peine. On a visité des amis en Limousin, on a vu qu'il y avait de l'herbe, de l'eau, que le foncier était beaucoup plus accessible que dans le sud, et on est arrivé là. Voilà. Et ici, c'était... comme on n'avait pas franchement les moyens, on a acheté ce qu'on a pu, donc un tas de ruines avec une grosse déchetterie et un terrain pelé, avec donc hyper marécageux. Ici, il n'y avait que du jonc, du rumex, de la renoncule et de la potentille. Partout, et 5 chevaux qui se baladaient sur l'hectare en surpâturage et qui s'enfonçaient jusque-là. Voilà. Donc, pas d'argile du tout, ça c'est mon gros regret, et pas d'argile. Un sous-sol en mode fond de baignoire complètement hydromorphe et des limons très très fins. Qui peuvent ressembler à de l'argile par moment, mais qui en fait n'ont pas du tout les propriétés des argiles. Donc très séchant en été, et ça se transforme en béton, et la bouillasse en hiver. Voilà, donc top, quoi. Pas d'arbres, rien du tout. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et pour se former, au début, je me disais, je vais aller voir le maraîchage bio, parce que c'était à peu près évident, quoi, que c'était vers là qu'il fallait aller, mais sans rien connaître, hein, je ne suis pas fils de paysan, aucun lien avec le monde agricole. Et les maraîchers bio, j'étais fortement déçu de ce que j'allais travailler là-bas en mode... Je connaissais pas le bouffing, donc j'allais faire le larbin, quoi, en gros. Et quand j'ai vu tout le plastique, les pesticides, les apports massifs d'engrais, les lance-flammes sur le sol, après, je me suis intéressé à la permaculture, c'était l'époque permaculture. Là, j'ai compris que ce n'était pas un système culturel et que je ne pouvais pas faire de maraîchage avec ça, il y avait une grosse incompréhension sur ce que c'était la permaculture en France. Et j'ai lu tout ce que j'ai pu et j'étais un peu avec le moral dans les chaussettes, à me dire, je ne vois pas du tout comment je vais faire du maraîchage comme je l'entends. Enfin, j'avais une espèce d'idée de un lien avec le vivant très fort et quelque chose de... c'était très flou, mais il y avait quelque chose qui m'attirait. Et je ne voyais plus du tout comment ça pouvait me le faire. Et un jour, je suis entré dans une librairie et par hasard, j'ai vu un petit livre vert qui s'appelait « La révolution d'un seul brin de paille ». Je me suis dit, vas-y, on prend quoi. Encore une lecture, je prends, je lis. Et là, quand j'ai lu ça, j'étais mûr. Donc, je suis allé à toutes les pages. C'est ça que je veux faire. Et en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un riziculteur, Masanobu Fukuoka, dans les années 70, au Japon, qui cultivait du riz.
et de l'orge principalement, et il avait aussi un gros verger d'agrumes. Et ce gars-là disait, voilà, moi je cultive sans travailler le sol, sans amendement, sans compost, sans engrais, sans biocides, sans rien du tout. Et j'ai dit, waouh, c'est ça, je veux faire ça, quoi. Et Là, on est en 2014. Là, on est en 2013. Donc, t'as pas encore acheté le terrain. Non, là, c'est juste avant. 2013, c'était ça. Et il manquait, si tu veux, une... Lui faisait du riz au Japon avec un système de trèfle blanc en couverture. Il inondait un petit peu les rizières pour calmer le trèfle. Après, le riz repartait par-dessus. Ce truc-là, pour du légume, ça ne marche pas du tout en France, quoi. Je me suis dit, bon, il manque un morceau. À l'époque, il y avait l'Institut technique d'agriculture naturelle qui existait, qui était dirigé par Olivier Barbier. Et ça n'existe plus aujourd'hui. Et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Olivier. J'ai fait, je suis heureux que ça existe. Waouh ! Et j'ai dit, Olivier, je veux faire ça. Je veux faire du maraîchage en agriculture naturelle. Et est-ce qu'il y a des fermes qui existent ? J'irai, je ferai l'esclave, je ferai ce que tu veux. Mais je veux aller voir, quoi. Où que ce soit, j'irai. Et il a ri, il m'a dit, non, mais c'est théorique. D'accord, l'agriculture naturelle, c'est la théorie. En France, ça se fait pas, il n'y a pas. Voilà, il y a Fukuoka et un point, c'est tout, quoi. Et bon, mais merde, voilà. Et il m'a dit, bah, écoute, dans pas longtemps, on va aller voir un maraîcher au sud de Toulouse. Ça pourrait t'intéresser. Ça ressemble un peu à ce que tu dis. Parce que je parlais avec lui, je veux faire ça, pas de travail du sol, machin, pas d'amendement, je veux pas tuer les bestioles, je veux être copain avec les limaces. Il a dit, bon, on va aller voir un gars. Et ce gars-là, c'était Laurent Welch. Et donc j'y suis allé, et là j'ai rencontré Laurent, et ça a été le gros déclic. Ce qui manquait, il manquait une pièce maîtresse au système, parce que si tu dis j'arrête de travailler le sol, je mets pas de compost, pas d'engrais, pas d'amendement, bon ben ça pousse pas, quoi. Enfin, juste tu te retrouves avec un sol en béton et puis c'est terminé. Et là, je voyais pas du tout comment je pouvais faire ça. Et j'arrive chez Laurent, donc Laurent, je t'embrasse. Et pour la première fois de ma vie, je vois des couverts végétaux. Mais un truc immense, quoi. Un truc qui montait à 2,50 m de haut. Et il faisait ça avec, si je me souviens, des blés anciens, du triticale, de la veste. Je ne sais plus exactement ce qu'il mettait dedans. Donc il faisait pousser ça, très dense. Il le couchait. Il n'y avait pas de rouleau faca à l'époque. Donc il prenait un pic-botte au cul du tracteur. Il prenait une botte de foin. Il écrasait le couvert. Et après, il bâchait par-dessus parce que sinon, les pailles se relevaient. C'est le problème quand tu n'as pas de rouleau faca. Et après, il écartait le couvert, il venait planter les légumes dedans. J'ai dit, ouais, c'est bon. Et j'ai trouvé, c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai demandé à Laurent si je pouvais rester chez lui pour apprendre. Et il m'a dit non. Il m'a dit, c'est bon, t'en as assez lu, t'en as assez vu. Il me dit, ce que je fais moi, il n'y a que moi qui peux le faire. Et ce que tu feras toi, il n'y a que toi qui peux le faire. Donc, tu t'en vas. Tu t'achètes une ferme, tu t'installes et tu te plantes pendant 5 ans. Et c'était le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Voilà. Et ouais, donc voilà, pour moi, Laurent, c'est le parrain, quoi. Je l'adore. Ouais. Bref. Et du coup, il y a ça. En parallèle de ça, c'était le tout début d'MSV, donc c'était les premières rencontres 2013-2014. Où voilà, il y avait une petite bande de chevelus qui se réunissaient en disant « Et si on arrêtait de travailler le sol et comment on peut faire ?» et compagnie. Il y a eu Bourguignon aussi qui est passé pas loin d'ici. J'étais allé le voir, Claude. Pareil, voilà, ça a été, ça a suffi, quoi. Entre les couverts végétaux, Bourguignon, Fukuoka, Gérard Dusserf aussi qui a beaucoup, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Et Konrad Schreiber, où j'ai avalé les vidéos, re-avalé et encore avalé. Et ça m'a suffi au moins pour me dire, c'est bon, je peux y aller avec ça, je vais au moins essayer comme ça. Je peux faire le pari, quoi. Que juste avec des couverts végétaux, sans intrants, sans amendement, sans compost, sans engrais, sans biocides, et l'autonomie en carbone. Voilà, c'était hyper important pour moi de pas importer de la matière extérieure et sans hybride F1 aussi. Et donc le pari, c'était ça. Et d'être copain avec les limaces. Ça, c'est... voilà, okay. Le début, ça a démarré comme ça.
tu fais toutes ces découvertes et tu décides de t'installer, d'acheter ta ferme. 2014, comment est-ce que tu as lancé le projet? Comment est-ce que tu es passé de ton prêt à Canasson en mode marais à un jardin maraîcher? C'est quoi un peu les étapes que tu as mis en place pour démarrer? Donc 2014, achat, terrain pourri, maison pourrie. L'idée c'était de me dire allez, il faut relancer la biologie du sol. Je voyais pas du tout comment faire au début. Parce que j'ai enchaîné toutes les erreurs possibles aussi. Hein. Donc c'était pourri de chez pourri, jonc, rumex. Bon, les chevaux sont partis, c'était déjà ça. Il y avait des ronciers, il y avait et beaucoup de renoncules, ouais, potentilles. Et j'avais acheté un petit tracteur, les petits gris, là, les trucs à 20 chevaux, le plus petit que j'ai trouvé, avec un cultivateur derrière. Et j'avais dans l'idée de griffer le sol en surface pour pouvoir semer mon premier couvert. Bon, ben, je passais entre les rumex, le cultivateur passait entre les dents, et le rumex, il faisait comme ça. Il me regardait, il me faisait « Je suis toujours là, tu mourras pas ». Et j'avais fait mon budget prévisionnel. Ça, je savais faire, parce qu'avec les années de spectacle, j'avais appris à faire des budgets bien comptés, à faire des échéanciers sur des années et des années. J'étais plutôt pas mal avec les chiffres. Et je m'étais dit, voilà, il fallait que je fasse 5000 m² de légumes. Et comme je n'avais pas encore bien compris le système de rotation qu'il a fallu inventer plus tard, je disais, voilà, si j'ai 5000 m² de légumes, il me faut 5000 m² de couvert végétal. Parce que dans l'idée, c'était de me dire, je vais faire un légume, un couvert, un légume, un couvert, un légume, un couvert. Bon, je fais toujours ça. Même des fois, il y a couvert, couvert, légumes. On en reparlera après. Mais voilà, au début, je me disais, il faut que je cultive un hectare. Et je ne me voyais pas bâcher un hectare, si tu veux, au début. Et ni mettre du Roundup sur un hectare, ni faire du brûlis sur un hectare. Et là, j'étais un peu emmerdé. Et il y avait le voisin qui me disait, si tu veux, je laboure. Hein. Je dis, non, jamais, tu laboureras jamais. Et le temps a passé, je cramais du gasoil, de la sueur et de l'espoir. Et un jour, j'ai craqué, j'ai dit, vas-y, laboure. Quoi. Et là, il est passé, il a fait un labour cata. Enfin, c'est pas sa faute. Hein, c'était, ouais, voilà, tu fais un labour dans un marais, donc tu fais des ornières comme as. Il s'est embourbé à mi-août. Voilà, pour à peu près le trip, quoi. Donc, je me suis retrouvé avec Verdun, le truc comme ça, ciel gris, ça puait la mort parce que c'était pourri, hein, tout était pourri, c'était bleu, le sol était bleu, c'est quand on passe 6 mois d'hydromorphie par an, c'est le fer change d'état et c'est tout bleu. Donc voilà, tout bleu, pourri, des moucherons, ça puait la mort, ciel gris, je me suis retrouvé au milieu du champ à chialer, à me dire mais qu'est-ce que c'est ça, voilà, j'ai tout foutu en l'air, j'ai tout cassé, c'est mort. Après un coup de herse rotative, histoire de bien finir le job. Et là, comme premier couvert végétal, je me suis dit, je rêvais de radis daikon. Parce que Fukuoka, il en parle tout le temps dans son bouquin de radis daikon. Je n'avais jamais vu. Donc je me disais, et la nuit, je rêvais vraiment de radis daikon géant. Je me baladais dans des forêts de radis daikon. Tu vois. Donc je disais, je veux voir du radis daikon. Et dans l'idée, le truc, tu sais, radis daikon, ça te fait un monstre comme ça. Tu vois. C'est gros, c'est grand. Et en plus, le nom commercial du radis, c'était Structurator. C'est bon, là, je vais restructurer Structurator. Et j'ai fait 1 hectare de radis daikon. Voilà. Alors, je me suis retrouvé avec une super pelouse vert fluo sur 1 hectare. Et après, j'ai compris que le radis daikon, c'était la formation de Steve Groff, là, une des premières formations MSV. Le radis daikon ne pousse pas en sol hydromorphe. Voilà. Donc ça a été très clair, il y avait toute une partie où les radis sont restés tout petits comme ça, et en haut ils étaient comme ça. Je dis bon ben déjà, on va aller en haut et le bas on va le laisser au marais pour l'instant, on verra plus tard. Et le radis daikon a poussé, alors j'étais content parce que ça fait quand même pas mal de végétation quoi. Et arrivé fin février, il était à fleurs, je l'ai détruit. Et je me disais, c'est bon, je vais mettre mes légumes dedans, c'est parti, quoi. 15 jours plus tard, le sol était tout nu. Parce qu'il n'y a pas de carbone dans le radis daikon, c'est de la flotte. Et j'ai dit, ah ouais, comme ça, je ne vais pas le faire. Et c'est là où je me suis mis à me dire, ah oui, et en même temps, j'ai fait encore une autre connerie, enfin, pas grave, mais inutile. J'ai fait un apport de 100 tonnes
hectares, surtout l'hectare, il y avait 100 tonnes de broyat. 100 tonnes de broyat, ça fait ça, quoi. Donc, voilà, c'était... Et la deuxième année, j'ai voulu le refaire. J'ai pété l'épandeur parce qu'il y avait une bûche comme ça qui est passée dedans et du coup, j'ai arrêté. En surface, à chaque fois, d'accord. Ouais, ouais, en surface, ouais. Ah oui, après, après le labour, il n'y a plus jamais de travail du sol, même pas un coup de grelinette, rien du tout. Mais bon, cet apport de base, on peut s'en passer, il ne sert strictement à rien. Voilà. Et voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des couverts de plus en plus carbonés et de plus en plus variés. Donc c'est là où j'ai commencé à intégrer en été sorgho, le chanvre c'est venu plus tard, tournesol, vesc, pois, facélie, il n'y a que d'autres en été. Les gros groutes, c'est ça quoi. Non, j'en oublie. Millet. Et donc j'ai semé ça en été, après le radis d'Icône. Ce truc-là a poussé minablement tu vois, sous la poitrine. Et là, j'ai fait le couvert végétal d'hiver où il y a seigle, avoine, pois, vesc, févrole, facélie aussi, moutarde, radis d'Icône. Et celui-là, je l'ai semé à la volée dans le couvert minable d'été avec mes petits sorgho là. Semé à la volée par-dessus et un coup de rouleau faca. Ça passait au travers et je me suis dit, bah, en fait, c'est une affaire qui roule ça. Pour refaire du sol, je ne fais aucune exportation, je laisse toute la biomasse dessus, il y a toutes les racines, la vie, elle va se refaire. Et j'ai fait ce régime-là pendant 2 ans. Couvert, 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 couvert. Et au bout de 2 ans, les couverts étaient à 3 mètres de haut. Donc j'ai dit, c'est bon. Là, si du sorgho tout seul, sans apport, sans ferti, sans rien du tout, il monte à 3 mètres, je peux faire pousser des laitues. Avec irrigation. Avec irrigue, oui. L'irrigue a été mise en place. Et pendant ces 2 ans de couvert, 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 je retapais la baraque en même temps. Accessoirement, on faisait un deuxième enfant. Et pour plein d'autres trucs, et je vous passe les détails, mais impliqué dans pas mal d'autres choses. Parce qu'il fallait quand même gagner la croûte pendant ce temps-là. Parce que pendant 2 ans, tu sors de l'argent pour t'installer et puis t'as rien qui rentre. Et du coup, l'install d'irrigue s'est fait à ce moment-là. Ouais. Et les serres, enfin, tout petit à petit. Quoi. Voilà. Et du coup, à partir de 2016, quand les couverts ont été beaux, j'ai commencé à lancer la prod de légumes. Et voilà. Et c'est parti. De quoi, du coup, t'as vécu pendant ces 2 ans? Je vendais mon corps à qui veut. Non, j'ai fabriqué des yourtes, j'allais poser des escaliers, je faisais les marchés, j'allais poser nu, tout ce que je pouvais, je le faisais quoi. Et donc, t'as eu une activité. J'étais pizzaïolo. Ouais. C'était, les journées étaient incroyablement longues. C'était du grand n'importe quoi. Ça a participé au fait que quand j'ai démarré en 2016, j'étais déjà sur les rotules. Ça aide pas. Avec du recul sur ton installation, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu aurais peut-être changé? Est-ce que le labour c'était une bonne idée ou pas, par exemple? Labour c'était une connerie parce que au bout de 2-3 ans, j'ai arrêté de me balader sur 1 hectare parce que c'était complètement ouf tout seul, sans mécanisation, c'est juste impossible. Et surtout, c'était très con, ce truc de 5000 m² de légumes, 5000 m² de couverts. Il n'y a pas besoin de faire ça. Tout tient sur 5000 m² en fait. Avec la rotation de couverts végétaux, ça se fait très bien. J'ai un tableau, je vous le montrerai, qui va très bien avec ça. Mais il a fallu revoir tout le principe des rotations. Ce n'était pas pour des questions sanitaires, ce n'était pas pour une question nutritive. C'était plus qu'il fallait regrouper les légumes par occupation du sol au jardin et les prévoir avec la rotation des couverts végétaux, parce qu'il y a des couverts d'été, d'hiver, d'automne. Et voilà, il y a des légumes pareils d'été, d'automne, d'hiver, de printemps. Et on peut jouer avec ça et ça prend à peine plus de place les couverts végétaux en réalité. Voilà, du coup, non, c'était une connerie de faire ça. Il valait mieux démarrer sur 5000 m², de bâcher en plusieurs fois, de commencer sur 2000 m², puis 2000 m², puis 2000 m², et être moins pressé, être moins sur les rotules aussi, parce que je suis parti sans DJA, sans rien, du coup les serres, j'ai dû aller les démonter à Marmande,
C'est des anciens séchoirs à tabac avec 10 000 boulons. Voilà, donc démonter ça, ramener, tout remonter. Du coup, je suis arrivé cramé, quoi. Donc ça, c'était une erreur, le labour. S'installer sur un sol complètement foutu, c'était aussi une erreur. Je suis content parce que du coup, j'ai pu voir qu'on peut relancer un sol avec des couverts végétaux en 2 ans. Et c'est la super bonne nouvelle. C'est génial. Mais il y a des terres qui se prêtent au maraîchage, il y a des terres qui ne se prêtent pas au maraîchage. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas d'argile du tout ici, c'est une catastrophe pour moi. Ça fait des sols hyper fragiles qui ont des minéralisations intempestives. Dès qu'il y a un coup de soleil avec de l'eau, c'est très très dur à gérer. Donc du coup, la gestion de l'enherbement est quand même plus compliquée avec ça, notamment sur le liseron cette année, voilà, qui ne fait que grandir. Donc non, ça c'était une connerie aussi. J'ai tardé à drainer, j'ai drainé que l'an dernier. Voilà, parce que j'avais dans l'idée que les couverts végétaux allaient exploser cette semelle de labour et de piétinement des chevaux. Mais en réalité, c'est Conrad qui m'a convaincu de ça quand il est passé. Et on a fait un profil de sol assez profond. Et il me disait, voilà, ça, t'as un cul de baignoire, quoi. Alors j'étais content parce qu'au fond de du cul de baignoire, il y avait quand même quelques trous de vers de terre. Il me disait, mais le problème, c'est qu'en hiver, ce truc-là se remplit de flotte. Dès que les racines de tes couverts, elles arrivent là-dedans, elles s'arrêtent. Donc tu l'auras jamais, tu vas. Enfin, ou alors tu vis 500 ans, tu te fais greffer un truc, là tu deviens un cyborg, mais sans ça, tu n'y arriveras pas. Donc il a fallu drainer et j'aurais dû le faire dès le départ. Drainage, plantation des arbres aussi, j'ai tardé. J'ai mis plusieurs années à les planter sérieusement. Maintenant, j'en ai mis 1500 là sur l'hectare, mais ils sont petits encore. Donc ça aurait vachement aidé. Et attendre un peu plus, économiser et acheter un terrain plus sympa. Parce que c'est assez dur comme ça, quoi. Voilà. Comment est-ce que tu as drainé ? Avec du drain, on pourra aller le voir si tu veux après, c'est du drain agricole classique, mais enrobé autour. Ça évite le gravier, le géotextile et compagnie. T'as juste une tranchée à faire, tu poses ton drain, tu le rebouches et c'est terminé. Et j'ai drainé en perpendiculaire de la... Le maraîchage, il se tient sur 5000 m² avec une espèce de fausse pente comme ça, où ça fait des espèces de cuvettes et puis ça redescend des cuvettes. Et tous les 10 mètres, il y a un drain en perpendiculaire qui est relié à un gros tuyau en PVC et qui descend jusqu'à la mare. Un gros chantier. Ouais. Et pourquoi tu as choisi ce modèle de drainage plutôt que des fossés ou Les fossés se rebouchent. Ils se rebouchent et il y a quand même une belle pression de campagnol ici. Et ils ont une lubie, c'est que dès que tu fais une tranchée, ils te font un trou. Je ne sais pas si c'est chez les autres c'est pareil, mais moi c'est toujours ça, quoi. Je fais une rigole, ils font le trou dans la rigole, qui ressort plus loin, et tu as une petite fontaine qui ressort après. Dans les serres, c'est le grand classique, quoi. Au bord des serres, j'ai fait les rigoles pour évacuer l'eau. Et puis là, la rigole, il n'y a rien qui coule. J'ai fait merde. Et dans la serre, t'as la fontaine au milieu de la serre. J'ai fait putain, allez, je vais faire ma rigole dans la serre maintenant. Donc non. La bestiole est facétieuse. Et du coup, est-ce que tu as vu une réelle différence entre avant le drainage et après le drainage au niveau de la pousse des légumes? C'est assez récent. Sur la pousse des légumes, ouais. Il y a moins de signes d'asphyxie sur les légumes et il y a moins le côté bouillasse où tu t'enfonces jusqu'au fond de la botte en plein hiver et est-ce que tu dis putain, non travail du sol, machin, je les bichonne toute l'année. C'est complètement débile de noyer tout le monde en hiver, quoi. Enfin, tu fais un pas et puis en arrière, et puis en arrière. Non, il faut bichonner la biologie du sol. Et pour la bichonner, il faut vraiment penser à ne pas les noyer en hiver et à leur donner à boire en été. Il faut arroser, c'est clair. Et ça, j'ai mis un moment aussi à le piger. Merci pour tout cet historique un peu sur tes choix à l'installation. Concrètement, ça t'a coûté combien de t'installer, l'achat du terrain, le matériel, et comment est-ce que tu as fait ces investissements? Ça a démarré avec un prêt à la banque, parce que je suis parti avec zéro. Donc le prêt à la banque de 20 000 euros pour démarrer. Donc le premier matos, le premier fonds de trésorerie, 20 000 c'était un peu juste. Les serres, rien que les serres, il y en a eu pour 12 000 euros.
Un peu de trésor pour démarrer, les premières graines, les premiers terreaux, un tracteur à 3000 euros, une fois fini avec les réparations et compagnie, le petit matériel. Il y a eu l'irrigation qui a été un gros poste aussi, qui s'est fait en plusieurs fois, mais ça monte au final à peu près autour de 6000 euros. Tout le petit matos, parce que ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc il y a eu 20 000 euros de départ, et là il n'y avait pas le foncier, il n'y avait rien du tout, je me suis arrangé avec Sarah. Et ensuite, sur les chiffres à partir de 2016, c'était 20 000 euros de chiffre d'affaires et 10 000 euros de charges fixes. Donc à peu près 3 à 4 000 euros de charges opérationnelles, 3 000 euros de prêt à la banque et 3 000 euros d'investissement que je remettais à chaque fois dans la bécane. Les brise-vents, par exemple, c'est arrivé après. J'ai gelé une pompe, il a fallu racheter une pompe, racheter une brouette, parce que ouais, je faisais ça sans brouette, con quoi, parce que je fabriquais mes brouettes pour économiser les sous, alors, j'étais vraiment pelé, hein. Et jusqu'au jour où j'ai acheté la brouette à 350 balles, qui te change la vie là, et puis bon voilà, des chaussures qui sont pas trouées, des pantalons avec des protections aux genoux, qui, ouais, super. Une faux, une machette, en fait, du petit matériel, les arbres, et donc tout ça cumulé, et le remboursement du foncier aussi, donc la grange qui est le lieu de stockage et de vente et de tout le reste aussi, plus le terrain, et tout ça, il a fallu rajouter 30 000 euros en plus. Donc voilà, installation donc, en à 50 gros, 000 euros. Ça fait 50 000 en tout que j'ai étalé sur 9 ans. D'accord. Voilà. T'as quelle surface sous serre, quelle surface sous grange ? Il y a 700 mètres carrés de serre, 100 mètres carrés de pépinière, grange, je crois qu'elle doit faire 200 mètres carrés à peu près, quelque chose comme ça. Les passages autour du marèche, plus les, plus autour des serres, ça tient sur 1200 mètres carrés à peu près. Donc tout, ça fait 5000 mètres carrés, mais de vraiment cultiver hors haie, ça fait 700 mètres carrés de serre, 100 mètres carrés de pépinière et 2500 mètres carrés de plein champ. Voilà. Voilà. Et pour les chiffres, du coup, c'était 20 000 euros de chiffre d'affaires, 10 000 euros de bénéfices. Ça me faisait 800 euros par mois de bénéfices nets. Et là, cette année, j'ai le prêt à la banque qui s'arrête, donc 3 000 euros en moins, et l'investissement, j'arrête. C'est bon, c'est fini, j'ai remboursé le foncier que je devais rembourser et j'achète plus de matos, j'ai ma brouette, tout va bien. Et donc après c'est du petit matériel et compagnie, donc là c'est mon année de transition. Cette année je lève le pied sur la prod, je fais beaucoup plus de... je me repose, parce que physiquement j'étais au bout, là je crois que j'étais à ça du burn-out, clairement. Donc là je me refais une santé. Je m'amuse à nouveau au niveau agronomique à refaire des essais foireux et on en reparlera après de relancer la recherche agronomique, parce que c'est quand même ça qui me tient depuis le départ, et écrire un bouquin sur ces 10 années d'expérience-là. Voilà. Et donc à partir de l'année prochaine, ce ne sera plus la même. Ouais. Sur ta dernière année, du coup, tu étais encore à 20 000 euros en chiffres. Mm. Donc, tu as gardé le même... J'ai gardé le même truc. Ben, je ne voulais pas gagner moins de 800 balles par mois, parce que, bon, ça suffit, quoi. Il m'arrivait de donner des formations en parallèle, mais ça ne rentrait pas dans ces 800 balles. Et donc, ça mettait un peu de beurre dans les épinards, mais ça reste quand même des salaires bas. Et c'était surtout ce qui me gêne le plus dans ce système-là, c'est le volume horaire, où j'arrive pas à descendre en dessous de 50 heures semaine plus de 6 mois par an. Quoi. Les autres 6 mois d'hiver, c'est plus cool, mais il te reste quand même la commercialisation, la récolte, les réparations. Et 50 heures semaine, c'est trop. Toute l'année ? Non, 6 mois par an. Oui. Non, ça va, sinon c'est intenable. Quoi. Non, l'hiver, ça tombe à 2 fois moins. Mais avec le mode de vie qu'on a là, en soi, ça va. 50 heures semaine, pour un maraîcher, c'est OK. Après, nous, on a un mode de vie qui fait que c'est quand même difficile de tout concilier avec 2 enfants dont on s'occupe pour de vrai. Ça prend du temps. L'autonomie en viande, l'autonomie en plantes médicinales, enfin, tout un paquet de trucs, le bois, les travaux, je fais tout. Donc, il y a un moment où la journée, ça va quoi. Puis les années passent et ça use. Avant, je pouvais m'avaler des 15 heures par jour sans problème. Aujourd'hui, je peux plus et j'ai plus envie aussi.
T'arrives à te prendre des breaks Des vacances ? Oui. J'ai tardé pas mal à me prendre le dimanche, mais ça a été... il a fallu, vraiment à un moment, pour la vie de famille, il a fallu poser, de dire le dimanche, quoi qu'il arrive, c'est break. Mais au début, j'étais tellement fatigué que le dimanche, je le passais au radar, sonné. Tu sais, t'as passé toute ta semaine à bourriner, et t'arrives le dimanche, c'était comme ça. Hein. Mais ça, c'était les premières années où j'étais plutôt à 70-80 heures semaine. Parce que je faisais n'importe quoi. Attends, j'arrivais là, je ne savais pas faire un plan de culture. Je semais des légumes, je ne savais même pas quelle gueule ça avait. Je suis parti en mode « youhou » comme ça. Mais bon, après, avec les années, d'arriver à faire des plans de culture aux petits oignons, papier à musique, une meilleure logistique, des bons outils, savoir ce que tu fais quand tu vas au jardin, avoir une vraie stratégie, ça réduit considérablement. Et par contre, les 50 heures semaine, je ne peux pas descendre en dessous, ça, j'en suis sûr. Parce que j'ai un mode de marathonien, quoi. Ça veut dire que je m'impose de faire 50 heures semaine. Quand j'arrive à la fin de la semaine et que j'ai fait 40 heures, je m'en rajoute 10 de plus. Non, sans blague. Parce que pour prendre de l'avance. Et comme ça, j'ai toujours le même rythme. Parce que si je sais que si j'ai une semaine à 70 ou 80 heures, je me crame. Et après, je mets une semaine à récupérer. Et c'est pas possible. Donc 50 heures semaine, ça le fait. Ça roule. Tu sais expliquer un peu comment tu organises ta semaine en fonction de tes récoltes, de tes plantations, tout ça, c'est fixe ? Non, à part le jour de récolte et de vente, qui ça me prend la journée en gros. Non, après le reste du temps, c'est je suis le plan de culture. Je me suis fait un truc, je suis du papier à musique. Donc l'hiver, c'est le moment où je me prépare tout. Tout est clair, tout est carré, il n'y a plus de flou. Et après, il faut composer avec les flous de l'année, hein, la météo, tu vois, il y a toujours des trucs. Mais au moins, c'est carré. Top. Voilà. Pour revenir un peu sur tes investissements, tu as parlé de tracteur, donc tu as choisi de mécaniser. Est-ce que la question s'est posée ? Comment tu fonctionnes aujourd'hui ? Le tracteur, il sort en tout et pour tout 3 ou 4 heures par an pour le rouleau FACA, écraser les couverts. C'est arrivé des fois quand il y a des couverts qui sont trop maigres, je me permets d'y mettre une boule de foin en cas de cata pour pas laisser le sol tout nu, mais ça arrive de moins en moins. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'un semoir à semis direct à mettre derrière le tracteur. Notamment pour les semis de carottes, parce que j'ai mis un moment à trouver comment on fait pour semer de la carotte dans des couverts carbonés. Et aujourd'hui, ça m'a tenu un moment. J'avais même appelé les boîtes de fabrication, les fabricants de semoirs et tout, pour leur dire « Hey les gars, vous voulez pas nous faire un truc monorang en semoir à semis direct parce que ça existe quand même et compagnie ?» Et les gars, ils rigolaient, ils me disaient « Arrête, ça va coûter une blinde, vous êtes trois pelés en France, on ne le fera pas quoi. » Et maintenant que j'ai trouvé comment faire, j'en veux plus. Je veux plus de semoir à semis direct. Parce que je crois aux petites fermes et pas aux grosses. Pour arrêter, le trip ici, c'était de dire, voilà ce que je disais au début, pas de travail du sol, pas d'intrants, pas de compost, pas de pesticides, même bio, rien du tout, et faire copain avec les bestioles. Ce truc-là, je pense que c'est possible sur des petites surfaces, pas des grosses. Parce que si on fait des semoirs à semis direct qui coûtent une blinde et qu'on commence à balancer du 3 hectares de carottes en non-travail du sol semis direct, il y aura du nématode, il y aura de la mouche de carotte. Si on fait de la patate sur 10 hectares parce qu'on a trouvé la super récolteuse à patates sous couvert et sous foin, il y aura du doryphore et on continuera à mettre du spinosade dessus, qui est l'insecticide large spectre qui nous tue tout le monde, quoi. Et ça, il faut vraiment arrêter ça. On peut pas, si on veut réfléchir à l'agriculture de demain et même d'aujourd'hui, si c'est possible, pour moi, c'est nécessairement sans aucun pesticide. Donc, petite forme. Et pas les grosses, parce que les grosses, il faut les amortir. T'as parlé de brise-vent. Ouais. Il t'est arrivé quelque chose
Vas-y, raconte. Ouais, c'était en donc 2016, montage des serres. C'était des séchoirs à tabac, démontés à Marmande, remontés, tout ça. Et elles n'avaient pas un an. Il y a eu une tempête et les 700 mètres carrés de serre se sont envolés. Donc ça a été plié. C'était assez sympa parce qu'elles font 4 mètres au faîtage. Donc il y en avait une sur l'autre. Donc ça montait à 8 mètres le bordel. Donc il a fallu démonter ça. Là, il y a eu, pour le remonter, j'ai fait un financement participatif. Il y a une centaine de personnes qui ont participé, des gens que je connais même pas. C'était incroyable, ouais. Et j'ai reçu 10 000 euros comme ça. Ça faisait pas toute la somme, mais ça m'a sauvé les miches, quoi. Donc je suis reparti à Marmande, redémonté des serres. Alors là, j'étais bon, j'avais faire. Et remonter ici. Et là, bon, voilà, comme elles sont toutes en haut, les serres, là, et c'est plein vent, plein fer. C'est un couloir de vent terrible là-bas. Mais c'est le seul endroit qui est assez plat sur l'hectare où je pouvais les mettre. Donc je les ai remises exactement au même endroit. Con, tu vois. Mais cette fois, j'ai mis un brise-vent. Voilà. Et le brise-vent, selon le constructeur, pour la petite blague, c'était tu mets ils font 20 mètres de long et 3 mètres de haut. L'idée, c'était, selon le fabricant, c'était un pilier en béton de chaque côté, voilà, avec béton armé, coulé, 3 mètres de profondeur, gros socle et compagnie. Première tempête, tout plié. Ça fait une voile incroyable, ça souffle fort là. Et donc ça a tout plié, donc j'ai tout redressé. Et j'ai rajouté tous les 3 ou 4 mètres, je ne sais plus, tous les 3 mètres, ouais, du bon piqué châtaignier, pareil, enfoncé à 2-3 mètres de profondeur et 3 mètres de haut. Ça tient. Gros billet ? Ouais, gros billet, ouais. Ouais. T'es content de l'avoir fait quand même ? Content, c'est un grand mot. Oui, au final, c'est un bon investissement. C'est très sympa. Le deuxième effet qui se coule du brise-vent, c'est qu'il n'y a plus besoin de bidouiller au niveau des serres, des ouvertures et compagnie dès qu'il y a du vent. Parce qu'avant, les plans qui font comme ça dans la serre, ça, c'est pas sympa pour les légumes. Donc là, il y a du vent et tu laisses ouvert et puis tout va bien. Donc c'est cool. Et tu dors mieux la nuit aussi. Quand il y a des tempêtes, maintenant je ferme les portes, j'amarre tout, je ferme, je dors et on n'en parle plus. Parce qu'avant, je passais ma nuit avec le couteau entre les dents. Est-ce que je déchire ? Est-ce que je déchire pas les bâches ? Et ouais, il y a eu des moments sympas comme ça. Et puis en plus, c'est crétin, quoi. C'est hyper dangereux. En pleine tempête avec ta frontale, tu vois plus rien parce qu'il pleut de partout, il y a du vent. Non, il vaut mieux rester au lit. Donc maintenant, je fais ça. J'attache tout, Inch'Allah. Mais ça fout un coup quand même. Top. C'était combien ? T'as une idée du coût du filet brise-vent du coup ? Tu dis c'est un gros billet ? Ouais, mais... 3000 balles à peu près. Ok, plus les plus plots châtaignés. 1000 euros, voilà, donc on a 4000. Voilà. Après, dans les investissements, voilà, il y a eu les 20 000 de départ. Et ça. Attends, il y a eu quoi ? Pom pom pom. Ouais, l'irrigation, le drainage, tracteur, le foncier, brise-vent, les arbres. Ça, il y a eu un petit billet arbre quand même pour mettre 1500. Un peu de petit matos, quoi. Voilà, la faux, la brouette, le presse-motte, la machette, les bâches, faire les tables de semis. Voilà quoi, on arrive à 50 000. Quoi. Ça reste petit, hein. Ça reste ok. Mais ça, maintenant, avec le recul, ça fait quand même des années des premières années à passer qui sont rush, quoi. Là, je suis bien content d'arriver au bout. Mais au début, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à refaire avec un peu plus de... Mais bon, voilà, on peut pas refaire le schmilblick, mais je trouverais très sympa d'avoir des maraîchers qui s'installent et en style AMAP et des gens qui sont OK, tu vois, pour dire, voilà, on met 50 000 euros sur la table, on t'économise tout ce début fastidieux où il y a quand même pas mal de gens qui se mangent.
Parce que voilà, j'en ai vu pas mal qui se cassent les dents avec des histoires de divorce, tu vois, des trucs. Bon, et ça fait quand même chier, quoi. Le métier, c'est quand même super compliqué. Et d'avoir cet apport-là de départ, du moyen de production, et qu'il ne soit pas un apport privé, mais tu vois, quelque chose qui se réfléchisse dans les communs, ça vaut le coup, vraiment, de réfléchir à un trip pareil. Même si, au départ, un maraîcher, il n'a pas beaucoup d'expérience, c'est dur de faire des promesses en l'air, de dire « oui, oui, je vais vous faire des paniers toute l'année, diversifiés et compagnie », mais des maraîchers qui s'installent avec un accompagnement technique et moral, ça pourrait être sympa aussi, et cet apport de départ, et une réflexion commune sur comment est-ce qu'on produit, et d'intégrer les gens qui sont au départ de cette histoire-là et qui mettent un billet sur la table, et de se mettre OK sur c'est quoi le moyen de production et c'est quoi le produit des moyens de production. Je trouve que c'est un beau pied de nez au capitalisme et on peut le faire. On peut vraiment le faire à l'échelle locale. Super, tant qu'on cause système, tu as choisi quoi comme statut pour t'installer et est-ce que tu en vois des limites ? Entreprise individuelle, cotisant solidaire, micro-BA. Quelles limites ? Ben non, parce que je ne cotise pas la retraite, mais je pense que d'ici là, on aura d'autres soucis. Il n'y a pas d'arrêt maladie. Et ça, tu vois, là, c'est la première année où je me fais une joie d'être malade et de rester au lit. C'est ouf, hein. J'étais heureux, quoi. Heureux d'être fiévreux dans mon plumard. Je vais crever, mais c'est cool. Mais les autres années, tu es fiévreux et tu vas bosser. Et ça, ça marque. C'est des petits moments. Tu fais putain quand même. C'est dur. Hein. La grosse limite que je vois, c'est que de ce système-là, qui est petit au niveau budget, c'est qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est sympa parce que tu n'es pas en train de rembourser pendant 20 ans. Et aussi que quand tu arrives au bout de 20 ans, en général, ton matos il est raide et que tu dois de nouveau réinvestir et tu es tout le temps dans une logique d'une course en avant. Moi, le pari que je faisais, c'était c'est petit, j'en bave un coup et ça passe. Donc ça, c'est cool, ça marche. Le souci, c'est que en cas de pépin, genre tu te pètes le poignet, tu as une grêle qui te tombe sur la gueule ou des serres qui s'envolent. Bon, là, j'ai eu du bol parce que financement participatif, mais... Là, j'aurai une deuxième foirade, un poignet qui se pète, et ben je fais pas la saison. Et là, je trouve que c'est... Parce que ça arrive, avec la fatigue, avec le stress, l'usure. Et puis bon, une grêle, je veux dire, la grêle, elle est tombée là-bas, elle est tombée là-bas, elle est tombée là-bas. Toutes ces dernières années, à chaque fois, je me dis, putain, c'est cool, quoi. Enfin, ça passe. Mais le jour où ça passe pas, et ben tu te retrouves à poil, parce que tu perds ton année. Tout l'argent que tu as mis sur la table, tes charges fixes, bah, tu te les manges quand même, et tu rentres rien. Et tu fais quoi ? Et là, je trouve qu'il y a un gros couac. On est sur des systèmes aléatoires qui ne permettent pas l'aléatoire. Donc, non, ça roule pas. Pour éviter ça, la seule forme envisageable que je vois, c'est voilà, ou le système AMAP, mais avec des gens qui ont les reins, pour pouvoir te dire, t'as foiré ton année, c'est pas ta faute. On continue à payer, tu vois, ou le collectif. Et là, le collectif, c'est encore une autre histoire. Il faut arriver à le faire. Oui, et du coup, par rapport à ça, on n'a pas trop précisé, mais est-ce que tu t'es installé tout seul et tu as toujours été tout seul et tu n'as pas eu de salarié, tu n'as pas eu de woofer ou de bénévoles pour t'aider, ou est-ce que tu as justement réussi à intégrer les gens de la MAP qui t'ont Alors, suivi dès le départ ? Il y a eu plein de choses. Donc, installé tout seul. Ici, il y a eu un premier projet collectif avec d'autres familles. Ça n'a pas tenu, ça a capoté. Humainement, on n'était pas bon et ça s'est cassé la gueule. J'ai essayé le woofing en 2016, ma première année. Ça ne nous a pas plu.
ni au niveau familial, ni moi professionnel, ça ne me l'a pas fait. Après, c'était ma première année, j'étais comme ça, je débarquais, donc c'était hyper dur en plus d'avoir des gens sur la ferme. Il fallait continuer à être avec eux, enfin, trop de choses à gérer. Donc woofing, ça s'est arrêté. J'avais réessayé encore une autre année en me disant voilà, il y aura un seul woofer sur l'année, mais ça ne l'a pas fait non plus. Du coup, j'ai continué tout seul. Une autre année, il y a eu quelqu'un qui est resté pendant 2-3 mois. Là, c'était cool. Voilà. Et après, tout seul. Et ça a été cool, tout seul. C'est ce que je préfère. Enfin, c'est ce que je préférais, du moins. Parce que je travaille à mon rythme. J'ai personne à qui parce qu'il faut prendre en charge aussi les gens, quand même, un minimum. Voilà. Et comme le temps de famille est quand même très réduit, en passant beaucoup de temps dehors, parce qu'il y a tout le reste, hein, il y a 50 heures de maraîche, mais il y a tout le reste à faire. Et rentrer à la maison et encore avoir quelqu'un toujours à la maison, c'est trop, ça ne roule pas. Donc voilà. Et puis moi, le silence au jardin, c'est cool. Vraiment, ouais. C'est quand même peinard, parce que c'est là où tu as les... Voilà, toute la finesse, toutes les observations, c'est là que ça se passe. Et quand il y a quelqu'un au jardin, je le perds. C'est l'attention qui est prise ailleurs. Et ouais. Et l'observation de soi aussi au jardin. Parce qu'à faire des choses répétitives dehors, dans le silence, je trouve que c'est une super école, quoi. Tu en apprends beaucoup sur toi. Tu dis, ah tiens... J'ai ça comme pensée, tiens. C'est marrant. Ah ouais, je pense à ça, tiens. Je pense à ça depuis ce matin, quand même. Ça, je pensais pas. Ah bah tiens, en fait. Ah bah j'ai envie de ça, en fait. Ah bon, d'accord. Ah bah ça me fait peur. Ah bon? Ah ouais, vraiment? Ah ouais? Dialogue interne. Ah ouais, c'est super. C'est super école. Je te dis pas que c'est facile tous les jours, oui. Mais tu sais, quand tu rumines un truc toute la semaine, il y a un moment, ça fermente, quoi. Et puis même les idées aussi au jardin, tu sais, des fois tu as des petits trucs, tu te dis putain ouais ça je pourrais faire ça comme ça, ah ouais mais ça serait, et pourquoi cette plante elle pousse là, attends mais je comprends pas, ah oui, ah et peut-être que, ah c'est assez plaisant. Du coup donc tout seul au final, bien content, et ce qui me tenait au départ c'était le trip agronomique, quoi. Est-ce que cette histoire, ça tient d'agriculture naturelle? Et les premières années, je me demandais si j'avais du bol ou si ça allait pas se casser la gueule pour une raison, n'importe quoi, je sais pas. Et les années passaient et en fait, ça a marché, quoi. Le sol allait de mieux en mieux, je voyais le profil noircir comme il faut, de plus en plus de bestioles, des insectes dans tous les sens, les plantes, la productivité qui augmentait, la pression des campagnols qui devenait gérable, enfin bon, ça roulait, quoi. Je faisais mes paniers, donc super content. Tu vendais tout en panier? Tu vendais tout en panier? Ouais, au début j'ai commencé avec les marchés, ouais. Mais pas longtemps. J'ai fait quelques mois sur les marchés. J'ai vite compris que ça c'était pas compatible avec ce mode cultural, ce système cultural. On en reparle après, si tu veux, peut-être. C'est un sujet, ça. Et donc, voilà, du coup, j'étais content, j'étais satisfait. Mes paniers, machin, mes 50 heures, c'est cool, tout ça. La ferme, c'était sympa. J'avais mes 33, 34 paniers hebdo, 9 mois sur 12. Parce que je faisais la pause de mi-avril à mi-juillet, en gros. Et on reparlera pourquoi aussi de ça. et donc sympa, tu vois, les clients, ils viennent, on fait l'apéro, c'est cool. Puis ils restent d'une année sur l'autre, ça commence à devenir sympa. Mais moi, ça commençait à me gratter un petit peu, parce qu'il y avait pas mal de maraîchers des départements voisins qui venaient là. Moi, je me disais, putain, le maraîchage, on va pouvoir changer le maraîchage avec ça, quoi. On va pouvoir arrêter les pesticides, arrêter les intrants carbonés, les hybrides F1, toutes ces merdes. Mais les maraîchers qui venaient là, quand ils me voyaient faire et que je leur disais mes chiffres, 800 balles par mois, mes horaires et surtout la quand même une pénibilité au boulot, parce que tu n'as pas la mécanisation et tu n'as pas le salariat. Bon, moi, ça tombe bien, je suis contre le salariat.
mais je pourrais pas payer un gars par exemple, ou une nana. Ce serait pas possible, je gagne pas assez pour ça. Pour payer quelqu'un, il faut des bécanes, sinon ça marche pas. Et ça commençait à me gratter, de me dire, putain, alors les maraîchers, ils vont pas s'y mettre. Les maraîchers que je connaissais, qui étaient intéressés, me disaient, putain, pour faire la bascule, c'est quand même compliqué, parce que tu passes pas d'un sol travaillé, nourri aux engrais, à un sol non travaillé, cuit les petits oiseaux, couvert végétal. Enfin, il y a un moment, la bascule, elle est compliquée à faire. Et ça veut dire qu'il faut avoir les reins économiques, et la plupart, ici, on n'est pas une région maraîchère, donc c'est compliqué. Je dis, putain, alors les maraîchers, ils n'y vont pas, ça roule pas, et moi, je suis tout seul dans mon coin à faire mes petits légumes, et trois carottes, enfin, je suis une crotte dans le paysage. Les clients qui viennent, ils sont contents, mais ça coince, quoi. Ça coince parce que moi, ça ne se développe pas plus, et je m'adresse à des gens qui sont hors sol, en fait. Et qui n'ont pas de rapport avec le vivant. Petit à petit, avec ces années de maraîchage, je suis convaincu que la production de notre nourriture, c'est le rapport privilégié qu'on a avec le reste du vivant, avec le non-humain. Et si on ne l'a pas, ça, on ne comprend pas. Il y a trop de choses qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on ne les vit pas. Quand on mange de la viande sans avoir tué un animal, tu prends un agneau, tu l'égorges à la main, la viande, elle n'a plus du tout le même sens, quoi. C'est complètement différent. Faire pousser ces plantes, les accompagner, et surtout avec ce mode-là de dire, voilà, je renonce à mon contrôle, à la maîtrise absolue du vivant. Je vais travailler le sol, je vais mettre l'engrais, je fais que ce soit comme ça. Et s'il y a un truc qui me fait chier, je le bute. Tu vois, c'est du contrôle absolu, quoi. Et sortir de ça, sortir de ce contrôle, reprendre une place d'humilité avec le reste du vivant, je trouve que c'est la découverte la plus importante que j'aurais faite au jardin. Et je voyais que les gens étaient hors sol par rapport à ça. Parce que oui, ils viennent, ils achètent leurs légumes, ils sont super contents, ils ont l'impression d'avoir fait leur geste écolo pour la durabilité, machin et compagnie. Enfin, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ils repartent bosser à leur boulot normal. Du coup, voilà, j'étais en train de ruminer ça en cueillant mes haricots, parce que c'est long, tu vois, la cueillette de haricots, donc t'as le temps de gamberger. Mais je me suis dit, putain, mais là, en fait, la solution, c'est qu'il faut que les gens fassent leur jardin. Donc, je commence à faire des formations d'un week-end sur l'agriculture naturelle, compagnie, mais c'est théorique, quoi. C'est compliqué de passer de... Tu t'avales deux jours de théorie comme ça, et après tu vas en pratique, c'est compliqué. Du coup, ça m'a travaillé, et je leur ai fait un long mail. Donc j'avais 33 paniers, 34, je sais plus. Je leur ai fait un long mail, j'étais heureux. Hein. Une fois que c'est sorti, t'as dit... Et dans le long mail, je leur disais, voilà, écoutez... Je suis super content de toutes ces années avec vous, voilà, de l'agriculture naturelle, c'est top et tout, content. Mais voilà, si vous êtes handicapé, malade ou trop âgé, que vous ne pouvez pas faire votre jardin physiquement et mentalement, je suis OK, je continue à vous faire des paniers de légumes. C'est réglo. Si vous êtes en capacité physique et mentale de faire votre jardin, si vous voulez un panier de légumes, vous êtes obligé de venir une fois par semaine, à la ferme pendant 6 mois, une matinée entière, et vous allez participer, on va faire les choses ensemble, mais surtout je vais vous former de A à Z, des bases de l'agronomie jusqu'à la conservation des légumes, la production de semences, vous saurez tout sur ce système-là, quoi. Et vous aurez un panier en plus. Mais à la fin de l'année, vous vous engagez à ne plus jamais acheter de légumes de votre vie et à ne plus revenir. Et si possible, de former les gens autour de vous, vos voisins, vos amis, et je vous suis là-dedans, quoi. Je peux vous accompagner pour que vous puissiez expliquer ça après autour de vous. J'étais heureux, moi, d'avoir trouvé ça. Du coup, j'ai appelé ça les jardins d'éducation populaire, les jardins sauvages d'éducation populaire. Et sur les 33 clients que j'avais, ben, y en a 30 qui se sont barrés. Et donc, tu as fait ça l'année dernière, et ils se sont barrés. Et surtout, ils se sont barrés. Alors, la plupart l'ont très mal pris,
Alors moi j'étais tout flab, j'étais ouais génial, j'ai trouvé un truc, c'est super. Et en fait pas du tout, ça a été très mal reçu, ils se sont sentis abandonnés, trahis, parce que ils avaient l'impression de faire quelque chose pour moi. Et en fait c'était pas ça, c'était, moi j'avais plutôt l'impression de faire un truc pour eux. Tu vois. Et donc il y avait grosse incompréhension, il y avait un gouffre comme ça, et je disais ben attendez les gars, enfin ben non quoi. Il me dit mais non mais le jardin c'est trop dur, on veut pas faire de jardin nous et tout. Je dis, ok, donc attends, moi tu me vois toutes les semaines dépérir sur ma chaise là, creuser l'été, parce que quand même faut se l'avaler la saison quoi, le dos bloqué et compagnie, tu sais ce que je gagne, parce que j'étais transparent sur ce que je gagnais, enfin tout, tu vois, les légumes étaient pas chers, ils payaient que les légumes qu'ils avaient dans le panier, c'était pas une vraie AMAP, hein. Quand à la fin de l'année, si j'avais pas complété tous les paniers, je les remboursais sur la différence. Tu vois. T'as fait un panier à combien ? Il y avait deux formes de paniers. Il y avait le panier de l'ogre à 15 euros et le panier du lutin à 9 euros. Et eux me disaient, voilà, le truc qu'ils m'ont dit, c'est le jardin, c'est trop dur. Ça prend trop de temps et c'est trop dur. Je dis d'accord. J'ai dit donc toi, t'es ok pour avoir un salaire normal, parce que le SMIC, il n'est pas à 1200 balles, il est à 2000 euros en fait, hein, le brut. On parle en brut. Moi, je suis en brut, tu as 800 balles, en réalité. Parce que je cotise à rien. Donc, eux, ils ont des sécu, des mutuelles, les compagnies. Donc, ils sont quand même à 2000 euros. Et moi, quand je le rapporte à ce que je gagne à l'heure, c'est pas du tout la même, quoi. Je dis, ok, donc si tu es ok avec ça, eh ben, je triple mon prix de légumes. Et au moins, c'est réglo, tu vois. Enfin, là, on peut discuter. Sinon, je suis ton esclave. Ah, et c'est ok, on va rester là et puis voilà. Et du coup, il y a eu une nouvelle équipe qui s'est montée. J'ai envoyé un autre mail à tous les gens que je connaissais en disant voilà, jardin d'éducation populaire, on fait ça si vous voulez. Ça s'est fait et ça a été génial. Humainement, c'était top, des gens hyper investis qui ont eux-mêmes 12. Ça ne faisait pas grand quand même. Donc, là, il a quand même fallu continuer à faire des paniers à droite à gauche, les petites épiceries pour. Voilà, pour aller couler les légumes, quoi. Mais non, ça n'intéresse pas non plus 1000 personnes. Hein. Mais le peu qui sont venus, ça, c'était humainement hyper enrichissant pour tout le monde. Moi, j'ai retrouvé du sens aussi à ça. Et pour quelques-uns, ils se sont mis à former les gens autour d'eux. Et pas mal de personnes. Donc, il y a plein de jardins qui fleurissent un peu partout. Il y a des collectifs qui se montent, enfin... Je suis super heureux avec ça, c'est une formule que je trouve géniale. Le seul souci, c'est qu'il faut refaire l'équipe tous les ans. Donc tous les ans, ça va le faire ou ça va pas le faire. Voilà. Tu disais vouloir revenir sur la question de la coupure de tes ventes au printemps. Au début, je voulais faire 12 mois sur 12, genre le Graal toute l'année du légume. Et du coup, là, j'ai toujours arrêté de mi-juillet à mi-août et maintenant ça me va très bien, je veux surtout pas faire la boucle. Parce que c'est une période où il y a très peu de diversité au niveau du légume. Pour moi, c'est pas hyper intéressant. C'est du légume qui se vend plutôt cher. Tu vois, les carottes bottes, navets bottes, betteraves bottes, pommes de terre nouvelles. C'est assez peu diversifié et c'est une période de l'année où il y a déjà beaucoup de taf de mise en place de l'été. Donc là, arriver à devoir gérer tout en même temps, ça va. Plus voir les clients pendant 3 mois, c'est génial. Et aussi au niveau système culturel, il y a quand même ce système-là de non-travail du sol, couvert végétal, il y a quand même un gros souci, c'est le retard de minéralisation. C'est des sols qui ne réchauffent pas, surtout sur des sols à tendance hydromorphe comme ici. L'eau se réchauffe beaucoup moins vite que l'air. Et par-dessus, tu viens mettre un bel isolant thermique par-dessus, bourré de flotte. Et là, ça réchauffe vraiment pas. Et quand ça réchauffe pas, et qu'il n'y a pas d'engrais, 0-0, et la plante, tu la plantes là, et tu lui dis « pousse ». Et toi, elle te regarde, elle te dit « comment ?» Tu m'as pas mis d'engrais, parce que tu as dit que tu voulais pas les engrais, les machins. Et la biologie, elle est sous la couette. Alors, je fais quoi, moi ? Je jaunis, je pâlis, je meurs, le gaz, la corde, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, du coup, tout ce qui est précoce comme ça, c'est mort. Ça roule pas. Et c'est aussi la même raison pour laquelle les marchés, ça roule pas pour moi. Alors que j'adore les marchés, c'est super sympa, l'ambiance, les clients, et puis chacun choisit ce qu'il veut, c'est très très marrant.
Mais le truc, c'est que j'arrivais au marché avec du retard sur les tomates, du retard sur les aubergines, du retard sur les melons, du retard un peu sur tout. Et là, les gens, quand tu leur dis « oui, il y a un retard de minéralisation, tu comprends, on travaille du sol », ils te regardent comme ça, ils te disent « what the fuck ?» On ne comprend pas déjà ce qu'il dit. Et il y avait ça, il y avait l'autre truc aussi où moi, je m'amusais beaucoup avec plein de variétés de légumes, avec des trucs jaunes, rouges, violets, des trucs. Et là, ça, les gens, ils n'aimaient pas non plus, donc je revenais avec. Et là, tu dis « donner des légumes aux cochons, il y a un moment, sur des systèmes qui sont comme ça, petits, millimétrés, tu ne peux pas. Il faut tout vendre, tu ne peux pas t'amuser à jeter. » J'avais le problème du calibre aussi, avec des choux comme as et des choux kikiwi. Et les gens, ils veulent des choux comme ça, calibrés. Et quand tu leur dis « ouais, mais je ne prends pas de F1 hybride parce que c'est de la merde, OGM probablement issu de mutagénèse », j'avais pareil, qu'est-ce qu'il dit ? Donc tu peux pas leur dire non plus. Et quand j'avais des petits trous sur les feuilles et compagnie, ou alors avec des limaces qui se baladaient, je disais « mais je mets pas de pesticides ». Et les gens, ils te regardent, ils te disent « mais ouais, mais on est dans le carré bio, il n'y a pas de pesticides en bio ». Comment te dire qu'il y a plein de pesticides en bio avec tous les collègues autour ? Je peux pas, donc je vais rien dire, d'accord ? Et je vais rentrer avec mes légumes. Voilà, donc tout ça, ça fait que c'est mort. Et les paniers, pour le coup, c'est hyper adapté. Parce que là, tu as le temps d'expliquer aux gens, de dire voilà, c'est comme ça que ça marche, il y aura du retard. Vous aurez des tomates fin juillet, début août, c'est normal, faut pas vous inquiéter. Et puis vous allez manger de la tomate longtemps, jusqu'à fin octobre, et vous ferez la soupe plus tard. Et voilà, et si ça vous va pas, vous allez ailleurs, quoi. Mais ici, c'est comme ça que ça se passe, mais je peux vous expliquer pourquoi, on prend le temps. On va faire le tour du jardin et compagnie. Et les paniers, c'est top pour ça. Ouais. Voilà. Du coup, plutôt panier que marché. Et ouais. Tu parlais tout à l'heure d'autres... Un peu de restauration, un peu d'épicerie. Restauration, là, j'ai arrêté. Ça me plaisait beaucoup quand je travaillais avec un gastro. Mais bon, ils ont changé le chef, donc il s'est passé à la trappe. Mais j'aimais bien bosser avec lui parce qu'il était aussi client des paniers et il mettait vraiment en avant le légume. Il savait vraiment... Ici, on est dans une région de viande. Donc les restaurants, ils te mettent la viande en avant et le légume, c'est juste pour dire légume local, bio. Voilà. Et ça, c'est pas intéressant du tout. Ils le mettent pas en avant, ils le cuisinent pas, ils le valorisent pas. Donc si c'est ça, j'arrête. Donc le jour où il y a un restaurant gastro qui dit voilà, je veux travailler comme ça avec ces légumes-là parce que il y a toute la démarche derrière et je vais les mettre en avant. Là, j'y vais, je peux livrer même une cagette, j'irai quoi. Mais sinon, c'est pas intéressant. Il y a ça et les épiceries. C'est pas intéressant non plus au niveau du volume pour moi, parce que je me suis pas placé non plus pour le faire. Et du coup, les collègues ont déjà pris le créneau. Et c'est très bien comme ça, parce que moi, ça m'intéresse pas plus que ça en réalité. Et là, juste, je garde de manière anecdotique une épicerie que j'aime beaucoup. Voilà, et du coup je les livre même pour trois fois rien, j'y vais, comme ça je fais trois courses en même temps, et voilà quoi. Mais sinon ça vaut pas le coup, tu crames plus de gasoil et de temps que c'est pas la peine. Donc très peu de livraison. Ouais, très peu, ouais. Tout à la ferme. Question annexe, t'es en bio toi ou pas ? Ouais. Okay. Et c'est un argument de vente Ouais, au début, ouais, pour les marchés c'était bien. Et au début, les gens pour les rassurer un petit peu, ça, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vision de la fertilité de ton sol d'un point de vue agro et la place qu'on les couvert dans ta vision de cette fertilité ? La fertilité. L'idée au départ ici, en se basant sur Fukuoka, c'était de tout miser sur la biologie du sol. Et bon, il y avait déjà ce truc-là de se dire pas d'apport extérieur pour pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, parce que ça roule pas cette affaire. Parce que si on a des super beaux jardins tout verts et qu'on fait du désert autour parce qu'on pille le carbone et la matière organique, il y a un petit problème, quoi. Ça, et si tout le monde se met à faire ça, on est mort, quoi. Donc ça roule pas du tout. Et donc il fallait arriver à l'auto-fertilité et tout miser sur la biologie. Et la biologie, alors déjà, il y a un truc qui me tient beaucoup à cœur. C'est que, avant toute chose, c'est un mystère. On ne sait pas ce que c'est hyper complexe. Dans une cuillère à café de terre, il y a 7 milliards d'êtres vivants.
Il n'y a aucune bécane sur Terre qui pourra étudier ça. Enfin, dès qu'on isole une bestiole pour l'étudier, elle crève. On peut pas, on sait pas faire. Donc, et le sol, c'est le milieu le plus important qu'on ait sur Terre. Il y a tout qui se fait avec ça. C'est l'air qu'on respire, tout ce qu'on mange, tout vient du sol, quoi, sur les premiers centimètres. Donc, il me dit, on va pas y toucher du tout, et on va arrêter de faire les cons. De se dire, oui, alors je peux rajouter telle poudre de palimpinpin pour faire remonter le pH, et puis je vais mettre un peu de soufre pour truc, et puis je vais mettre... On arrête un peu les conneries, et qu'est-ce qui se passe si on laisse, faire? Et pour s'occuper de la biologie du sol, la biologie se nourrit avant tout de carbone. Bon, pas que, il lui faut aussi de l'azote pour synthétiser ses acides nucléiques. Mais passons. Principalement, c'est du carbone qu'il nous faut. Et Conrad l'explique bien ça, il faut le toit, la maison, les habitants dans la maison, il fait ça super. Et il faut des plantes vivantes. C'est des plantes vivantes qui vont nourrir les bestioles en hydrates de carbone, parce que la plante, elle va faire sa photosynthèse, elle garde 70% des hydrates de carbone, le résultat de la photosynthèse, et elle va donner 30% à la biologie. Parce qu'elle ne peut pas se nourrir directement dans le sol, elle ne peut pas aller choper le cadmium, le calcium, le magnésium, elle ne sait pas le faire ça. Donc si tu veux, c'est un grand restaurant, le sol. Où la plante va aller demander aux champignons et aux bactéries minéralisatrices « Voilà, aujourd'hui, il me faudrait 3 calcium, 3 magnésium, un peu de soufre. » Et la biologie va minéraliser la matière organique à la demande de la plante, la nourrir, et la plante va payer en hydrate de carbone. Parce que la biologie, elle ne sait pas faire de photosynthèse, donc il leur faut des sucres. Voilà. Et du coup, le principe de la fertilité, il est assez simple. Il faut faire pousser des plantes in situ, sur le sol, voilà, et ne jamais toucher le sol. C'est assez con à piger, quoi. Et faire des couverts hypercarbonés. Voilà. Au tout début du système, je faisais des couverts végétaux en proportion moitié azote, donc avec des légumineuses, et moitié plante à paille, carbone. Voilà, en proportion, je parle. Voilà. C'était 50-50. C'était quoi ? Le couvert d'hiver, c'est seigle avoine. J'ai essayé tous les seigles possibles, toutes les avoines possibles, donc je continue à m'amuser là, avec ça. Févrole, vesse, pois, facélie, moutarde pour l'hiver. Et l'été, c'est sorgho, chanvre, tournesol, sarrasin, facélie, pois, vesse, févrole. Et puis tout ce que je peux, quoi. L'été, les cosmos, les haricots, les courges, tu peux balancer tout ce que tu veux dedans, ça pousse, quoi. C'est assez rigolo. Et millet aussi. Voilà, l'idée c'est d'avoir des couverts les plus diversifiés possibles et très pailleux maintenant. Maintenant j'ai énormément réduit la légumineuse, je suis à 90% de carbone et 10% de légumineuse dans le mélange. Voilà. Et le tout est semé à 200% parce que c'est semé à la volée et que on n'est pas sur une variété en pur où on voudrait récolter le grain, c'est pas le trip. Donc là, on veut un maximum de biomasse, donc c'est 200% des doses initiales, mais pas trop, parce que si on en met trop, j'ai essayé tout, 300%, 400%, 500%, s'il y en a trop, c'est beaucoup trop serré, le système racinaire ne se développe pas du tout de la même manière, les tiges ont tendance à s'étioler, et bon, on connaît le vieil adage dit ça, qui sème dru récolte menu, c'est exactement ça, ça verse, ça fait n'importe quoi. Donc voilà, 200%, j'en suis là, et avec, donc voilà... Le gros du carbone, quoi. Donc tu sèmes à la volée. C'est semé à la volée. Et derrière ? Le truc classique, après on va détailler avec le système de rotation, mais c'est un légume, un couvert, un légume, un couvert, un légume, un couvert, un légume, un couvert, un couvert, un légume, un couvert, un légume, un couvert, un légume, un couvert, voilà. Pour avoir la ration du sol. Et que le sol soit toujours couvert en permanence. C'est couché au rouleau FACA au stade fleur. C'est le moment où les plantes inhibent leur plateau de talage. C'est couché là, avec un rouleau fait maison, avec un vieux rouleau à prairie, sur lequel j'ai soudé des lames avec un copain, qui était meilleur en soudure que moi. Et puis un 3-points aussi pour l'atteler. C'est roulé à fleurs et c'est planté, semé au travers. Voilà. Après, bon, y a plein de petits détails et d'exceptions, mais grosso modo, c'est ça. La question, c'était quand tu sèmes à la volée. Est-ce que tu viens passer un coup de rouleau pour appuyer le semis ? Est-ce que tu bassines à l'irrigation ? Rien. Que dalle. Rien du tout. Donc tu sèmes dans un résidu de culture, à la volée, et point. Ouais, on va détailler ça, parce que sinon... et ça, ce sera dans les itinéraires techniques. Il faut le détailler. Okay.
Voilà, mais pour continuer sur la partie couvert végétal, c'est assez fabuleux ce truc-là. C'est Bourguignon qui, je ne sais plus d'où il avait pêché ça, c'est dans son, la source est dans son bouquin avec Lydia, Le sol, la terre et les champs. Un seul pied de seigle fait 600 km de racines. Et sans compter les petits poils chevelus absorbants, hein, c'est 600 km de racines, c'est un truc de ouf. Et puis on les voit, les photos de, en agriculture de régénération et compagnie, y a pas mal de photos là-dessus. C'est phénoménal. Donc quand on laisse toutes ces racines dans le sol et qu'on ne les sort pas, elles vont être digérées, elles vont structurer biologiquement. La surface va être dégradée, tout le mulch, ça devient du mulch après, de la paille, quoi. C'est dégradé en surface par la biologie du sol, ça fait l'humus. Et l'humus, c'est ça la définition, hein. C'est dégradé par la biologie du sol en surface. Pas enfoui, pas en compost, pas tout ce qu'on voudra, c'est ça. Donc très facilement, juste en semant des graines à la volée, on devient autonome en carbone, autonome en azote, avec des plantes qui envoient de la racine très profonde, qui le structurent profondément, qui refont remonter les éléments en surface, qui entretiennent une activité fongique de ouf. J'ai pas mieux, quoi. Enfin, au niveau fertile, ça devient complètement autonome, cette histoire. Et donc aujourd'hui, et surtout, aucun apport, que du couvert. Que du couvert et jamais d'engrais, jamais de compost, jamais de fumier, jamais de quoi que ce soit. L'autre point là-dessus, c'est de pas de fertilisation du tout, mais rien, même pas un purin d'ortie, rien quoi, pas de compost, que dalle. Le truc, c'est que si y a plusieurs raisons à ça, c'est que déjà d'une, si on fait un compost, en général, on exporte de la matière de quelque part pour la faire entrer dans son système, donc ça fait chier. Les plantes sont, avec les engrais, n'importe quel engrais, n'importe quel fertile, la plante, elle n'a plus besoin de faire des copains avec les champignons et les vers de terre et les bactéries et compagnie parce qu'elle est autonome. Elle va faire un tout petit système racinaire et elle va devenir dépendante de la came qu'on lui a donnée, mais c'est clairement, c'est de l'intraveineuse, quoi. Du coup, elle va garder ses hydrates de carbone. En réalité, une plante, quand on lui met de la fertile, elle pousse mieux parce qu'elle déjà, elle économise 30% de ses sucres. C'est filou. Mais du coup, les champignons qui sont autour et les bactéries et compagnie, elles disent « Et nous ?» Et la plante, elle leur dit « Mais non, c'est bon, moi je suis toute seule, c'est bon, je suis peinard avec ça. » Donc ça roule pas, les systèmes racinaires sont nazes. Alors ça pousse. Hein. Au niveau prod, c'est sûr que moi, j'arrive pas, je peux pas rivaliser avec des gens qui sont en fertile avec des F1. C'est clairement pas le cas. Moi, le coût des 25 kg de tomates par pied de tomates, moi, quand je suis à 4-5 kg, je suis content. Voilà. Donc, pour remettre les choses clairement à leur place. Mais bon, voilà, après, ça rentre dans un système économique, il faut que ça se tienne, quoi. Mais il ne faut pas rêver à dire on va faire autant que l'Indus en agriculture naturelle. Hein. J'y crois pas du tout. Mais bon, voilà, donc au niveau fertile, il y a ça. Ça fait des plantes aussi, la fertile, qui ont tendance à pousser très fort, très vite. Et être hyper vulnérable aux maladies et à toutes les bestioles, c'est parce qu'elles sont, en réalité, elles sont carencées, parce que dans l'engrais, elles vont bouffer juste ce qu'il y a dans l'engrais, et elles ne peuvent pas aller voir le champignon pour lui dire « Au fait, il me manquerait un petit peu de magnésium aujourd'hui au menu. » Et ben non, parce que là, le champignon lui dit « Maintenant, tu vas te faire voir, quoi. Écoute, ça va, quoi. » Donc ça fait chier. Le fait de mettre de la fertile comme ça, ça active énormément les bactéries minéralisatrices qui se développent 20 fois plus vite que les champignons. Donc les champignons, d'une, ils n'ont plus rien à bouffer. Ils se sont fait envahir par des bactéries et ils disent « moi, je m'en vais, quoi. J'ai rien à faire là. » ça roule pas. Si on commence à mettre des guano et compagnie, c'est de l'acide phosphorique qui est un super fongicide aussi. Ça marche pas. Donc voilà, pour tout ça, pour avoir des plantes en santé, de pas avoir à les traiter, de pas avoir des problèmes d'insectes qui viennent là pour te dire tu vois, le puceron, c'est ça, quoi. C'est la plante qui a balle, qui en peut plus, et le puceron, il dit attends, je vais te ponctionner un petit peu de ta sève, qui y en a trop, quoi. Et puis en plus, il faut que tu crèves, parce que t'es pas adapté, en fait, au biotope. T'es complètement farfelu, ça marche pas, donc tu dois crever. Et en fait, les insectes et les maladies cryptogamiques ne font que jouer leur rôle d'aller tuer des plantes qui n'ont rien à foutre ici. Donc ça dégage. Alors moi, quand j'ai une plante qui tombe malade, elle crève. Et puis voilà. Mais en règle générale, ça se comporte très très bien. Les plantes résistent super bien. Donc voilà, bon, pour tout ça, pas de fertile.
pas de ferti, pas d'amendement, pas de quoi que ce soit. Tu nous fais une très belle transition. Tu voulais nous parler un peu de tout ce qui est ravageur, maladie. Ouais. T'es fortement impacté ici ? Le gros du gros, ça se passe très bien. Et c'est même étonnant. Tu vois, au niveau des bestioles, il y a des trucs vraiment marrants qui se passent. Quoi. Tu vois, les limaces, par exemple, au début, ça me faisait vraiment problème. Parce que putain, t'es mignon, toi, tu dis que tu tues plus les limaces. Donc, pas de phosphate ferrique, les petits granulés bleus là, qui tuent les limaces et qui après tuent les oiseaux aussi. Je voulais pas en mettre. Mais bon, quand je suis arrivé ma première année, là, en 2016, où il a fallu planter les légumes, j'avais le couvert végétal qui était beau comme tout, là, le couvert d'hiver, couché au rouleau FACA. Et là, j'avais la serre à plants qui dégueulait de plants. Tu vois, toutes les courges, les salades qui disaient « on veut y aller maintenant, c'est le moment ». Et là, c'était un printemps pluvieux et froid, genre festival de limaces. Mais il y en avait partout. Ça grouillait sur le sol. Et sans déconner, j'exagère pas. Je me mettais à quatre pattes, j'écartais le couvert, j'enlevais les limaces et je mettais mon petit plant de salade ou de courgette, tu vois. Et je plantais toute la journée, comme ça. Je fais à peu près 130 plants à l'heure de plantation. Est-ce que j'ai tout chronométré? Je me suis amusé à tout voir. Enfin bon. Donc j'ai vidé la serre à plants. Et le soir, je suis allé me coucher. Je me suis dit, putain, mais t'es débile quand même. Quoi. Enfin, tu leur as tout servi sur un plateau. Et le lendemain, je suis arrivé là, à regarder pour voir les dégâts. Et elles n'avaient rien touché. Et j'ai vu, qu'est-ce qu'ils disaient quoi le... Et elles mangeaient le couvert végétal. Elles adorent le couvert végétal. Et moi, ça a été une espèce de claque. De dire, mais waouh, quoi. C'est quoi la limace, en fait? C'est quoi cet animal merveilleux que la limace? Qu'est-ce qu'il fout là? Enfin, ça m'a beaucoup intéressé. Et je me suis dit, bah oui, en fait, le plat préféré des limaces, c'est de la plante en décomposition ou malade. C'est pas de la plante... vigoureuse, en santé, tu vois, avec des grosses chaînes carbonées qui se tiennent bien. Elle veut manger du carbone qui est un peu limite, tu vois, on a passé la DLC. Ah ouais, d'accord. Et du coup, ça m'a tout changé. Alors, je sais pas, je veux bien avancer une hypothèse sur la limace, tu vois, parce que elle est hyper importante. C'est l'animal qui est toujours là. On a beau lui cramer la gueule avec des granulés, la découper en morceaux, les cendres, enfin, tu vois, la bière, on a tout inventé pour tuer les limaces, quoi. Et le lance-flamme, mettre le sol à nu, lui mettre un milieu hyper hostile, elle est toujours là. Je dis, en fait, je fais l'hypothèse que la limace, c'est le pionnier de la biologie du sol. Parce que quand on a zéro biologie, il faut bien qu'il y ait un animal qui amorce la pompe du vivant. Les bestioles, elles vont pas se pointer comme ça, d'un coup, d'un seul. Ça a l'air fun ici, pas du tout. C'est pas fun, c'est hyper hostile, c'est un désert. Et il faut un animal qui amorce le truc, comme les cycles des végétaux. Où d'abord, on commence avec un sol nu, après on a des annuels, des bisannuels qui s'installent, après on a des vivaces herbacées, des vivaces arbustives. Du cerf, il explique ça très bien. Après, on arrive sur la forêt avec des arbres pionniers qui se cassent la gueule, qui enrichissent en carbone, avant de laisser la place à des grands chênes qui feront une forêt primaire. Je pense que c'est pareil sur la biologie du sol. Et que la limace, en fait, elle est sacrée. C'est notre animal totem, en réalité. Donc, il faut absolument laisser les limaces. Enfin, bon, du coup... Ce truc-là, pigé sur la limace, je me suis dit, en fait, je vais faire pareil avec tous les animaux. Même le mulot? Alors ça, c'est différent. Mais tous les autres, tu vois, taupins, trips, tout, ça roule. Il y a encore des exceptions. Le doryphore, c'est la dernière bestiole que je continue à tuer, à la main. Ouais, comme ça. C'est ça ou spinosade. Hein, spinosade, il ne faudra pas m'en parler. Mais le doryphore, tu vois, même lui, qui est plutôt retors, j'ai vu plein de bestioles le bouffer et j'en vois de plus en plus. J'ai vu des téléphores castagner des doryphores, j'ai vu des araignées, j'ai vu des guêpes parasitoïdes au jardin. Hein. Une petite punaise que j'ai longtemps cherchée qui s'appelle le zicrona. Alors j'ai essayé d'avoir des infos, j'ai écrit aux entomologistes du Muséum d'histoire naturelle spécialiste des punaises là-dessus. J'aurais dit, ouais, j'ai trouvé une bestiole, je crois que ça s'appelle un zicrona parce que je me suis tapé les clés, comment on dit là? Ah putain, les clés d'identification des punaises. C'est une histoire, ce truc. Donc j'ai trouvé le zicrona,
je leur ai envoyé ça, je leur ai dit, putain, je crois que c'est ça, est-ce que vous confirmez? Je veux tout savoir sur les Zikrona, sa vie, ses goûts, ses couleurs, comment ça... Tout. Et ils m'ont répondu, ah ouais, alors, c'est bien le Zikrona, on est bien entomologiste spécialiste des punaises, mais pas de celle-là, donc on peut rien te dire. Les gars. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui est spécialiste des Zikrona, je suis preneur. Mais enfin, même le top du top, pour moi, le rêve, ce serait d'avoir, tu vois, l'encyclopédie des plantes bioindicatrices et médicinales de Dusserf. Si on pouvait avoir la même chose avec les bestioles, mais le pied, parce qu'on a une littérature, une bibliographie sur comment les tuer, mais alors comment les aimer, comment ils vivent et comment on s'intéresse à eux, il n'y a que dalle, hein, on a zéro. Et là, il y a un champ qui s'ouvre à nous de... énorme d'arrêter de considérer les insectes comme des ravageurs, comme des trucs qui sont mauvais ou nuisibles, et de les remettre juste, bah, ils sont là, quoi. C'est tout. Et que c'est comme les virus, c'est comme les maladies, c'est comme... On est porteur de virus, on est porteur de maladies, on en est bardé, on est bardé de champignons sur nous, et des pathogènes aussi, plein. Et la seule question à se poser, c'est la question du terrain. Est-ce qu'on développe la maladie ou pas? Et pourquoi? Et en général, on développe la maladie parce que le terrain est déséquilibré. Et c'est pareil pour les humains. Et pour moi, c'est basique, là, c'est fondamental. C'est un retournement complet. Donc voilà, les exceptions du coup, hormis le doryphore, je dis que je continue à tuer, je ne sais pas si un jour il y aura assez de présence de zikrona et de guêpes parasitoïdes. Je ne sais pas. En attendant, je réduis mon volume de patates. Parce que je trouve que du coup ça devient un légume de luxe, parce qu'il faut tuer des bestioles, et qu'il est très consommateur en eau aussi, pour le coup. Mais après, les exceptions, c'est le campagnol, effectivement. Mais alors, le campagnol, c'est une bestiole un peu particulière, parce que c'est pas à proprement parler un animal sauvage, c'est un commensal, c'est un animal domestique. Domestique, ça veut dire qu'on a fait rentrer dans la maison. Et commensal, au niveau étymologie, c'est qu'ils mangent à notre table. C'est des animaux qui accompagnent les humains depuis l'Antiquité et qu'on élève en réalité, à nos dépens, indirectement, mais on les élève. C'est pareil pour les pigeons en ville. Ils ne pourraient pas vivre s'il n'y avait pas les villes. C'est le même, les étourneaux, c'est pareil. Donc ça, c'est une bestiole un peu particulière et qui est en plus terrible parce que tu as un couple de campagnols en mars, juste le couple, et tu te retrouves avec une centaine de campagnols en octobre. Donc c'est assez chaud, et là, tout d'un coup, en plus, tu leur dis, t'es nourri, logé, blanchi, à l'année, protégé par les couverts. Et au début, j'ai eu une espèce d'explosion de campagnols, avec des galeries partout. Mais tu vois, tu t'écartes le couvert, tu veux mettre ton légume, mais en fait, t'es sur une galerie. Tu mets à côté, t'es sur une galerie. Et tu mets tes légumes, et en plus, ces couillons, ils viennent, et pouf, ils te le font sortir. Et là, les racines à l'air, comme ça. J'ai chaud, j'ai soif. Tu le remets dedans, le lendemain. J'ai chaud, j'ai soif. Il y a un moment, ça devient... Les bâches tissées, du coup, j'ai arrêté, parce que c'était la misère avec ce truc-là. Et ça m'a fait très peur, le campagnol. Je me suis dit, putain, là, ils vont finir par me bouffer, quoi. T'as des chats ? Et un chat. Des chouettes. Voilà. Mais ça s'est stabilisé. Les premières années, je perdais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai arrêté la patate douce, clairement, ils me bouffaient tout. Mais des fois, j'avais des rangs de carottes pétées en entier, enfin des planches entières. Mais avec les années, ça s'est stabilisé. Ils en bouffent toujours, mais ça devient franchement acceptable. Après, il y a une grosse population de couleuvres, de chouettes, des fouines. Des martres. Bon, ça se régule. Je ne pourrais pas dire pourquoi, ni comment, ni quantifier la population, je ne sais pas. Et après, au niveau des maladies, j'en ai tout de même. Tu vois, par exemple, le mildiou sur la tomate, c'est un truc qui me faisait très très peur au début, parce qu'il y a toujours un peu de mildiou qui arrive à un moment donné de l'année, toujours. Et au début, ça me faisait flipper parce que la tomate, c'est quand même un chiffre important de l'année. Tu vois. Et moi, j'étais là en mode, je mets rien, pas de préventif, que dalle, et je pourrais pas me sauver les fesses si ça se passe mal. Et je me mange l'année. Parce que quand tu fais 800 balles par mois de bénéf, si tu rognes sur le chiffre d'affaires, tu rognes directement sur le bénéf, pas sur les charges. Voilà. Donc ça fait mal. Donc j'étais très flippé avec ça. Mais je restais sur le mode, je mets rien, je mettrai rien, et fuck.
Et ça passe. Et ça passe de mieux en mieux. Et à chaque fois, il y a du mildiou qui se présente. Mais la plante, elle est assez forte pour dépasser le mildiou. Et après, il se barre. Et ça va, ça roule. Et l'année, c'était en quelle année? 2021. Une année pourrie. Froide, humide. Tout crevé. Les sols, ils étaient à 15 degrés. Enfin, ambiance mildiou festival. Et je me suis dit, putain, là. Et j'arrose en aspersion, pas de goutte à goutte. Et je me suis dit, si cette année, ça passe, je peux me détendre. Et ben c'est passé. Ah, t'as des bonnes serres aussi. Ouais, elles sont grandes, il y a du volume. C'est cool. Ouais. Mais il y a là. Du coup, ça passe. Tu sais estimer un petit peu ta part de perte liée au ravageur. Alors, du coup, pas maladie puisque ça passe. Mais oiseaux campagnols, entre autres. Genre, à combien, quand tu sursèmes, tu sursèmes à combien en prévision? Ça dépend des légumes. Parce que tout ce qui va être sous serre, en général, il n'y a pas de perte. C'est assez protégé. Dans toutes les solanacées d'été ou même tous les légumes d'hiver, il n'y a pas de perte. En extérieur, ce qui morfle le plus, c'est les légumes racines type carottes, navets, poireaux, il craint rien. Enfin, poireaux, il est sous voile. C'est le seul qui est sous voile comme ça. Non, franchement, je ne sais pas là. Je dirais 20% max, quoi. Ça reste OK pour moi. Ouais. Voilà. D'autant plus que tu fais la majorité de tes semences. Le gros du gros, ouais. Ouais. Et tous les plants. Et tous les plants. Eh ben, je te propose d'embrayer avec système de rotation. Oui. Alors, il faut revoir j'ai dû revoir le système de rotation, mais pas pour les raisons dont on fait de la rotation normalement. C'est que là, il fallait caser tout ça avec les couverts végétaux, entre les couverts d'hiver, d'automne, d'hiver, de printemps, de machin, et les légumes qui s'enchaînaient, tout ça, pour pas faire la connerie de 5000 m² de légumes, 5000 m² de couverts végétaux, l'intervertir, c'est trop dur. Du coup, je me suis dit, je vais réunir les légumes par calendrier d'occupation du terrain. Okay. Et en gros, je me suis retrouvé avec trois cases, quoi, tu veux. Donc j'ai appelé ça 1, 2, 3. Tu vois, une idée fulgurante comme ça. Et dans le 1, j'ai mis tout ce qui s'implante en hiver ou fin d'hiver, type ail, oignon, échalotes, les premières salades de printemps. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Les fèves. Donc ça, c'est le 1. Mais ça ne prend pas énormément de place dans le champ. En 2, le numéro 2, ça correspond à tout ce qui s'implante après les gelées et qui se récolte avant les gelées. Donc, on a toutes les solanacées, les haricots, les courgettes, les cucurbitacées. Enfin, voilà, tout ça, ça rentre dans le 2. Et dans le 3, c'est tous les légumes d'hiver, mais qui s'implantent en été. Donc, choux, poireaux, rutabaga, betteraves et compagnie. Et j'ai un peu plus de 60 légumes différents au jardin. Je fais à peu près tout, sauf l'endive et l'asperge, je crois, ce qui me manque. Après, tout le reste, c'est là. Voilà, donc on a 1, 2, 3, et après, il y a la case couvert végétal CV dans mon tableau. Et voilà, et le tableau, ça ressemble à ça. On fait comme ça? D'accord. Ou, voilà. Bonsoir. Alors, chaque ligne, ça correspond à une saison. Donc là, c'est été, hiver, été, hiver, été. Et on peut continuer comme ça longtemps, quoi. Donc, et on fait l'impasse sur printemps, automne, c'est simplifié là. Donc on fait une photo en été, et ça, c'est les proportions que j'ai au jardin. C'est schématique, mais c'est les bonnes proportions. Donc tu as par exemple 7 jardins. 1-1. Non, en fait, j'en ai beaucoup plus, mais je simplifie, ramener en proportion pour que ça tienne sur un tableau ardoise. Il y a 1-1, accrochez-vous, 2-2, 2-3 et 2 parcelles couvert végétal. Okay. Donc là, on est en 1, on est en été, on passe en hiver. Le 1, on l'a récolté, donc ça passe en couvert végétal, c'est bon. Le 2, on l'a récolté aussi, on va dire que c'était une tomate, pour faire simple. Le 2, on l'a récolté, on passe en couvert végétal d'hiver, ok. Le 3, on va dire que c'est des choux. Bah, les choux, ils restent, donc ils sont là, ok. Et après, couvert sur couvert, et là, il va falloir replacer un 1, nos oignons par exemple, et là, il y a couvert sur couvert.
Ça, c'est le bonne partie, tu vois. Quand tu fais ça, les vers de terre, ils te voient passer, ils te font là-haut, là, comme ça. T'as tout pigé, gars. Ouais, ouais. On repasse en été. Le couvert d'hiver, on va le passer en deux. C'est bon ? Attendez, on va faire plus simple. On va voir ce qui est sûr déjà. Les trois qui étaient là, les choux, c'est sûr qu'eux, ils passent en couvert d'été. Ici. Le 1, on l'a installé en hiver, c'est l'oignon, c'est sûr qu'il reste en été. Okay. Et après, on doit caser le reste du schmilblick. Donc, il nous reste 2, 2 et 3, 3. Et 2, 3, pardon. Et on les met à la suite des couverts. C'est bon, c'est assez clair, là ? Oui. Bon, ben, on peut faire ça à chaque fois. Oui. Et ça roule. Voyez-vous ? Et du coup, sur une parcelle, tu vas avoir deux couverts sur deux saisons, une culture, un couvert, une culture. Si je reprends ton tableau lu comme ça. Mm-hmm. Été, hiver, été, hiver, été. Mmh. Ouais. Bah, ça fait couvert, couvert, légumes, couvert, légumes. C'est ça. Mmh. Bon, et là, le 3, il va rester, donc ça va faire de nouveaux légumes. Il y a un moment où ça reste deux fois légumes, enfin, parce que c'est le même légume, en fait, hein, c'est le même chou, et il y a un moment où ça va rester en deux fois couvert. Après, il y a plein de petites subtilités, quoi. Donc, là où je commence à m'amuser à mettre des couverts dans les légumes. Et là, ça devient sexy. Parce que dans le chou qui est là, on peut très bien mettre un couvert végétal qui va rester au stade herbacé tout l'hiver. Bon, techniquement, il faut arriver à l'implanter, parce qu'il y a du mulch au sol, il y a beaucoup de choux. Donc il y a des endroits où c'est un peu compliqué, mais les poireaux, par exemple, ça s'y prête très bien. Il y a des légumes avec lesquels on peut faire ça. Voilà. Et là, je fais pareil en été, où je commence à mettre du couvert dans les légumes. Alors j'ai fait ça l'an dernier, mais en mode sorgho, chanvre, vesse, bien gros, quoi, ça passe pas. Il y a un moment où la laitue, elle te regarde, elle te dit voilà. Et donc là, du coup, je viens de le faire là, où j'ai mis facélie, sarrasin et un tout petit peu de sorgho. Voilà. Et ben, on va aller voir. Ben, c'est comme ça, là. Yes. Tu as besoin d'une question ou tu t'envoies direct ? Vas-y, go. Ok. Donc, l'irrigue. Donc, tout le jardin tient sur 5000 m² et je me retrouve du coup avec 4000 m² à irriguer. Et on est en sortant la grange, les machins, les trucs. Il y a 4000 m². Moi, au début, naïvement, je me disais non travail du sol, sol toujours couvert, pop et up et cool, je vais faire des économies d'eau énormes. Pas du tout. Parce que ce qu'il faut bien piger, c'est que il faut sortir de la logique d'arroser le légume. On va donner à boire à des animaux. Là, ça change tout, parce que du coup, il faut tout arroser. Exit les gouttes à gouttes qui te font des grosses poches d'eau, là, où c'est ni bon pour la plante, ni bon pour la biologie. Et c'est fini d'avoir un rang de poireaux, un désert, un rang de poireaux, un désert, quoi. Donc, il faut tout arroser, passe-pied compris, et en aspersion. Et du coup, ça, c'est pas cool, parce que ça consomme de l'eau. Il y a une perte aérienne au niveau de la flotte. Il y a une perte aussi, parce que quand on arrose un mulch qui est tout sec en été, bah, lui, il va absorber de l'eau. Et avant que l'eau arrive au sol, bah, il va falloir en rajouter aussi. Et il faut bichonner la biologie au maximum. Donc là, moi, au niveau des chiffres, sur 4000 m², il faut au moins que je mette 15 mm par semaine, par mètre carré. Voilà, je me dis ça de base, quoi. Après, il pleut, c'est cool, j'en mets moins. Il pleut pas, il faut envoyer la dose, quoi. Et 15 mm, c'est limite. Si je pouvais, j'en mettrais plus. Et tu as quoi aujourd'hui comme outil, comme réserve, c'est comme accès à l'eau ? Aspersion, bassin creusé. Il faut, du coup, sur 4000 m², en prenant le scénario radical, pire année, hyper sèche, hyper chaude, il pleut pas une goutte, 15 mm par mètre carré sur 4000 m², ça fait un peu moins de 1000 m³ par an. Donc là, tu as un bassin de 1000 m³. 700. 700, mais tout est connecté. La maison est connectée, la grange, les drains, tout est connecté avec les bassins. Et ça fait short, ouais. Ça fait super short. Parce qu'il y a de l'évaporation au niveau des bassins. Et le top du top, le prochain investissement, ce serait de faire un forage. Pour être vraiment à l'aise avec ça et pas se dire dès le départ d'être ric-rac sur la flotte, parce qu'il n'y a rien de plus terrible. Le bassin, c'est toi qui l'as creusé ? Ouais, enfin moi, pas avec mes petites mains, mais oui. Ouais. T'as imperméabilisé ou tes sols c'était good ? T'es dans un marais ? Non, bah, c'est un marais. Il y a des... Tout au fond, il y avait des argiles complètement lessivées
qui ont été remontées pour tapisser le bassin, et ça se détruit au fil des années. Et donc ça se transforme en passoire. Donc c'est ou le PDM, et ici c'est compliqué parce que entre les ragondins et les hérons, plus le fait de mettre le PDM qui fait quand même chien, voilà, la solution ça reste le forage. Okay. Voilà. Et donc là il y a un petit billet à sortir. Et du coup, t'as quitté le goutte à goutte, t'es tout à l'aspersion, ouais. T'arroses tout ton jardin d'un coup, t'as besoin de quoi comme pression? La pompe c'est suffisant? La pompe c'est suffisant, faut. Les asperseurs ils sont sur du 4 bars de pression minimum, donc c'est réglé sur 4 bars. 4 barres et demi quoi. Et le débit il est petit par contre. J'ai, tant que je ne dis pas de bêtises, 3 mètres cubes heure. Et tu arrives à arroser tous tes jardins d'un coup? Ah non, pas tout d'un coup, non. C'est jardin par jardin. Voilà, et ça c'est chiant. Donc il y a une charge mentale en plus Bah, ça va. Enfin, moi, tant qu'il y a de l'eau, je trouve qu'on est tellement chanceux de pouvoir appuyer sur un bouton et ouvrir une vanne. Et pour avoir connu la vraie sécheresse où t'as la pompe qui pète et t'as plus d'eau du tout, s'il n'y a pas d'eau, on ne discute plus, hein, on ne fait plus rien du tout. Mais il faut reprendre la logique de se dire, si on peut arroser, il faut arroser aujourd'hui, tant qu'on peut. Faire des économies d'eau aujourd'hui alors qu'on peut arroser, c'est une connerie. Il faut absolument remettre de l'eau dans les sols, relancer la biologie. Parce qu'une fois qu'on aura une structuration biologique des sols, alors on pourra peut-être se dire qu'on va diminuer l'arrosage. Mais il ne faut pas lésiner sur la flotte, il faut envoyer. Et remettre et recomprendre le cycle de l'eau, à rebalancer des végétaux qui évapotranspirent, qui remettent de l'humidité dans l'air pour qu'ils repleuvent de nouveau sur le sol. Et surtout, de refaire du sol pour garder l'eau qui va tomber dans les sols. Un sol, normalement, il est fait pour absorber l'eau, la filtrer, la récupérer. Là, pour l'instant, ce qu'on a comme système avec le travail du sol, c'est que l'eau, elle tombe sur le sol, elle part à la mer, et ça, ça devrait être interdit. Interdit. L'eau qui vient de la mer et qui pleut sur terre, c'est que 30% de l'eau. 70% de l'eau de pluie vient du sol et des plantes qui évapotranspirent. Et ça, on n'a pas compris. Le schéma à l'école où on nous dit l'eau, elle vient de la mer, et puis il pleut sur terre, et puis ça retourne à la mer, il est faux. Donc il faut remettre du sol. Et si le gouvernement avait un tout petit peu de, je ne sais pas moi, 3 neurones qui pouvaient se toucher à un moment, ça serait juste bien, dans le plan eau, de se dire on arrête de travailler les sols et on remet des végétaux. Et du coup, pour le dire clairement, aujourd'hui, ton système avec des couverts végétaux qui poussent bien et une fertilité qui est gérée au couvert, elle marche aussi parce que, en plein mois d'août, tu acceptes de mettre 15 mm d'eau sur tes couverts. Clairement, oui. Il faut arroser les couverts, oui. Autant la fertilité, je te dirais non, rien du tout. Les amendements calciques, je te dis rien du tout. Rien, mais la flotte, oui. Ta pépi, tu fais tous tes plans, 100% de tes plans? 100% des plans. T'as quelle surface de pépinière là? Alors ça fait 100 mètres carrés, ça tourne à peu près à 20 000 plants par an, ouais. Et c'est un peu petit. Voilà, donc je me suis fabriqué des grandes tables pour pouvoir mettre ça de niveau. Mmh. Là, il y a un voile d'ombrage à 40%, okay. Ça aide bien. Un grand volume d'air aussi. Ça aide bien au niveau de l'inertie. Quelle hauteur là-dessous? On est à 3,50 m, un peu moins de 4 mètres, ouais. Les murs peuvent se relever également. Et là, ça s'ouvre, voilà, les pignons peuvent s'ouvrir un petit peu. Donc là, c'est assez sympa. À refaire, plus grand. Donc 100 mètres carrés de serre. 100 mètres carrés, 20 000 plants. Pour 4000 mètres carrés de culture. Et 4000 mètres carrés de culture, ouais. Insuffisant. Ouais, c'est limite. Ça vaste, mais c'est limite. Et tu as aussi un contexte particulier où tu surplantes, donc tu as beaucoup de plants à faire. Il y a beaucoup de plants à faire, ouais. Le souci de ce système-là, c'est que ça bouffe pas mal de terreau et que le terreau nous vient des tourbières qu'on exploite abondamment et qu'on détruit des milieux humides comme ça. Donc là, cette année, je m'amuse à faire du terreau maison. Mmh. Et alors, ça marche à la base de broyat et avec cette bécane-là, où je broie de la ronce, du chanvre, de l'ortie. Tu fais ton broyat? Pour incorporer au terreau. Est-ce que j'ai du terreau là? Non, j'en ai plus. Qui est trop pulvérulent et qui ne se tient pas, il n'a aucune structure mécanique. Donc c'est pour lui rajouter une espèce de matière éponge, tu vois. Et je suis encore en train de chercher les bonnes doses de plantes, à quel moment, à quel, euh,
Est-ce qu'elles sont sèches? Est-ce qu'elles sont vertes? Et là, je suis encore au tout début. Mais déjà, d'entrée de jeu, je peux dire que c'est très, très compliqué pour du maraîchage. Autant en jardinage, ça passe. Mmh. Mais pour du maraîche, là, on perd l'homogénéité, on perd la structure mécanique. La température dans les mottes, c'est plus la même. Elles prennent plus l'eau de la même manière. Il faut passer en alvéole. C'est plus chiant à travailler. Il y a des adventices qui poussent dans les plants. Enfin bon, c'est la misère, quoi. T'arrives à estimer le temps que ça te prend à faire? Non, là, je suis au tout début. Donc, non, je fais ça cette année pour m'amuser. Mais en mode maraîchage, ça passe pas. Voilà. Mais c'est le gros souci de ce système culturel-là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de mottes. Et c'est là où ça me plaît énormément de développer du semis à la volée de légumes. Où là, ça devient sexy. Parce qu'il n'y a plus de terreau, il n'y a plus les caisses, il n'y a plus la brouette. T'en as dans les serres, là? Deux. Des légumes semés à la volée? Dans la serre? Non, non, dans tes serres à côté. Ah non, là non. Ça pousse, c'est comme ça. Ta rose, je vois là au G, ergonomiquement, tu es satisfait de ta serre à plan ou... Le G, c'est génial. Parce que j'avais commencé avec une cuve à eau d'une tonne et à l'arrosoir, l'horreur. Donc le G, c'est top. Il y a deux tables un peu particulières. Il y en a une avec. C'est une table chauffante pour démarrer les premiers plants solanacées notamment. Une autre avec un voile anti-insectes pour protéger les poireaux de la mineuse et les choux de l'altise. Là, ils sont friands. Et la pyride aussi. Et ensuite, non, les tables sont assez profondes pour pouvoir caser deux caisses de chaque côté. Et elles sont à ma taille pour pas me péter le dos dans tous les sens. Et surtout, elles sont de niveau. Comme ça, quand j'arrose, ça reste stable. Tu vois, t'as pas l'eau qui se barre d'un côté ou pas de l'autre. Et c'est tout. Arrosage par aspersion, tu y as pensé? Non, ouais, je veux pas. Parce que tu passes pas sur chaque caisse et tu vois pas chaque motte. Et des fois, tu as des plants qui consomment un peu plus d'eau que d'autres suivant leur niveau de développement. Et ça vaut le coup d'y passer. C'est pas le temps que ça prend, au jet. Il faut le faire. Il faut y passer, il faut le regarder. Les plants, c'est hyper important. Si le plant il sort de la pépinière en bon état, avec une belle vigueur, la transplantation au champ, qui est quand même un énorme stress, où tout d'un coup, tu dis, voilà, tu es dans la pouponnière. Température, lumière diffuse, t'étais à la cool, et puis tu vas te retrouver dehors, plein vent, plein soleil, à devoir faire des copains champignons et vers de terre, enfin, c'est hyper compliqué, quoi. Et avec des limaces qui vont passer par là, qui te disent « si t'es un peu faible, je te croque », tu vois. Donc il faut vraiment du plant de très très bonne qualité. Donc il faut les voir, et c'est un gros poste ici, ouais. Ok, donc là on est dans ton premier jardin, plein de choses à voir. Déjà peut-être, si tu veux nous parler des haies. Alors, donc en gros, les jardins, ils font 50 mètres de long, 10 mètres de large. Il y en a 5, après on passera aux serres. Et tous les 10 mètres, les jardins sont séparés par des haies de vivaces. Parce que je ne peux pas mettre de vivaces dans le système de rotation systématique avec les couverts annuels, ça ne roule pas. Donc tout ce qui est dans les haies, on va trouver les petits fruits, les plantes médicinales. Les fleurs, que je ne sais pas quoi elles servent, mais elles sont là quand même. Les arbres, alors pas mal de fruitiers en porte-greffe nanifiant. Après, il y a des trucs que je les ai mis, je ne sais même pas ce que c'est pour certains. Et beaucoup de vignes aussi, avec l'espoir d'arriver à faire le pinard. Et ça va venir. Et surtout, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est tout ce qui est grimpant. Kiwi, akébia, glycine, vigne vierge, houblon, c'était une connerie. Mais l'idée, voilà, c'est de... J'ai suspendu des fils un peu sur tout le maraîche, quoi, qui fait de 2500 m² de jardin, là, un peu plus. Et l'idée, c'est d'arriver à faire une toiture végétale complète pour tout, voilà, pour avoir un plafond végétal. L'idée de ça, c'est... Il y en a plein. Alors déjà, d'avoir des haies tous les 10 mètres, c'est les zones à chaos pour moi, où il y a des tas de pierres, de branches, de merde, de tout, pour essayer d'héberger tous les animaux possibles et inimaginables, même ceux que j'ai pas envie forcément qu'ils soient là, mais je veux qu'ils soient là. Donc comme ça, ils viennent tous, ils ont de quoi se réfugier, et 10 mètres, c'est pas trop, parce que comme ça, ils ont au maximum, ils ont 5 mètres à faire dans le jardin, et après, le soir ou la journée, ils peuvent se replier chez eux, ils sont à la cool. Et toi, tu cultives à quelle distance de la haie ? Là, un mètre maximum, quoi, même pas. Et l'autre truc de ça, donc, c'est d'arriver à faire un brise-vent aussi, parce que les légumes ont horreur du vent. Et une fois qu'il y aura cette canopée qui commence un petit peu à se mettre en place, l'idée c'est d'avoir la lumière directe au printemps quand les feuilles ne sont pas encore développées, et surtout, mais d'arrêter les UV en été, quoi. Ça c'est ce que les légumes crament, le soleil est beaucoup trop fort maintenant. Donc il faut arrêter les UV,
et garder une hygrométrie sympa, ou voilà, faire un micro-climat là-dedans, et de la production supplémentaire. Du raisin, du kiwi, des akébias, des fraises, des plantes médicinales. Voilà. Tes arbres, là, tu les as plantés au moment où tu es arrivé ? Non. Non ? Ils étaient déjà là ? Ah non, 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 il n'y avait rien du tout. Ça a commencé... Au début, il n'y avait rien. Je cultivais du légume plein partout. Et j'ai commencé à faire ça, je crois que c'était en 2017. 2016, les premiers arbres là-bas, plantés plus loin. Ici, 2017. Et j'ai commencé vraiment sérieusement en 2018-2019. Donc non, c'est tout jeune encore. Voilà. Donc là, tu as des arbres qui ont 5-6 ans. 5-6 ans, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu observes une forme de concurrence avec tes légumes ou sur certaines plantes, ouais. Il y a le houblon, c'était une connerie monumentale. Parce que lui, il commence à ressortir dans les légumes. Il faut que je l'arrache cet hiver. Celui que je t'ai dit tout à l'heure, là. L'églantier. Lui, je l'ai viré l'an dernier parce que ça y est, j'avais des grandes auréoles dans le jardin. Et c'était les racines de l'églantier qui sortaient. À part ça, je vois pas. Après, j'ai pas mis des grands arbres délirants parce que là, j'y crois pas du tout. Si les racines de l'arbre sont en surface, la laitue, elle s'en sortira pas. Donc, c'est pas la peine. À part ça, non. L'idée, c'est de mettre le maximum de choses, le plus de diversité possible. Et c'est tout. Voilà. Et tu observes des légumes qui supportent plus ou moins bien la concurrence à l'eau ou l'ombrage ? Oh non, ça, je vois rien. C'est OK. Tant que les racines des haies ne viennent pas dans le maraîche, c'est bon. Et pour l'ombrage, je ne me fais pas de problème. Quand j'ai vu, vraiment au contraire, ouais. Et si jamais un jour c'est trop, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à 60% d'ombrage sans problème. Et si un jour c'est trop, bah, on coupe. Hein. Et ce truc est top. Enfin, à terme, ça fait un apport de carbone supplémentaire, ça envoie de la racine profondément, ça nourrit d'autres champignons en faisant d'autres mycorhizes. C'est génial. Voilà. Ça, c'est pour les haies. Et ensuite, là, derrière nous, tu peux expliquer un peu l'itinéraire qu'il y a eu sur cette parcelle ? Alors ici, c'était l'été dernier, il y avait un couvert d'été avec une dominante de chanvre, sorgho, tournesol et très peu de légumineuses. Mais c'était un beau couvert, quoi, un truc qui tabassait fort. Au 1er octobre, j'ai semé à la volée, dans le couvert encore haut, du blé en variété ancienne. Donc ici, c'était du poulard. Il y a eu plein d'essais de plein de variétés de blé différentes. Une fois que le blé a été semé, ça a été couché par-dessus, le couvert couché au rouleau faca. Le blé est passé au travers et on l'a moissonné la semaine dernière à la main. Attends, tu veux dire que tu avais un couvert qui faisait à peu près 2 mètres de haut dans ah lequel, non, 3 mètres 50 de haut. Dans lequel tu es venu semer à la volée un blé poulard. Alors bon, le semis est un peu... c'était un peu comme ça, les graines te retombent sur la gueule. Bon, il y a un coup à choper pour avoir un semis homogène. Que tu as couché au rouleau faca. Après, c'est couché au rouleau faca, le blé passe au travers, ok. Et là, on l'a moissonné en groupe, en collectif, la semaine dernière à la faux et à la faucille. On l'a battu avec la vieille batteuse à manivelle dans la grange. Et de suite après, j'ai semé un sarrasin sorgho. Et là, il commence tout juste à sortir. Alors là, je suis un peu déçu parce que l'idée que j'avais, c'était à la base d'avoir le blé haut, de faire le semis de sorgho de sarrasin avant de moissonner. Mmh. Moissonner et battre directement et remettre les pailles de suite. On a été bloqué parce que le jour de la moisson, il pleuvait. Donc on a moissonné comme on a pu, mais on n'a pas pu battre. Du coup, et je pouvais pas semer le sorgho et sarrasin dans les pailles mouillées du blé. Donc ça a été moissonné, on a tout sorti, ça a séché plusieurs jours avant le battage. Et là, j'ai semé après coup. Du coup, il y a des parties de sol à nu, pas trop, mais un petit peu, et c'est assez gênant. Et j'espère que l'année prochaine, je pourrai faire le semis convenablement. Voilà. T'as une idée un peu du rendement que t'as fait en blé poulard ? J'ai pas pesé, mais c'est minable. Minable. Ça a été dévoré par les oiseaux. Il y avait des grandes nuées d'oiseaux tous les jours dans le blé. Et surtout, j'avais pas... C'est la première. Hein, ça a été moissonné trop tard. J'attendais que le grain soit hyper mûr pour pouvoir le moissonner. C'est une connerie. Il fallait moissonner 15 jours plus tôt, le mettre en javel et le laisser sécher sur pied, qu'il finisse de mûrir. Ça aurait évité les oiseaux. Ça aurait évité aussi... Il y a eu de la verse. Pas mal de verse parce que le semis était un peu trop dense et sur un sol trop riche.
et du blé en variété ancienne sur un sol riche, il couche. Donc là, la prochaine étape pour l'année prochaine, si j'y arrive, si j'arrive à choper le créneau, c'est ici même de semer début septembre le blé, alors que normalement ça se fait plutôt mi-novembre en classique, en bio, pour des questions d'enherbement. Là, l'enherbement, c'est pas tellement un souci avec les couverts végétaux, et donc là, ça va être un semis beaucoup plus tôt et beaucoup moins dense. Quand on mettre 70 kg hectare au lieu des 140, pour l'obliger à taler, le faire déprimer juste avant le printemps, et en espérant qu'il tienne debout, et faire des moissons plus précoces, et le laisser mûrir en javel. Avec tout ça, on va voir. Il y a plein de leviers. Je crois que j'ai fait toutes les conneries cette année, donc ça ira mieux l'année prochaine. Et l'objectif de ce blé, du coup, il y a une partie familiale. Autoconsommation. Tout en autoconsommation. Et il y a une partie de l'objectif qui est aussi de faire de l'expé, tu disais, pour des paysans boulangers qui se posent des questions. Ouais, l'idée, c'est d'arriver à trouver un itinéraire qui tienne bien la route, en non-travail du sol, sans apport, sans engrais, en agriculture naturelle, quoi. Et pour faire la céréale, ouais. Voilà. Et du coup, pas de tracteur. Ah ! Et donc l'année prochaine, tu remets ça ? Bah oui. Ouais, ouais. Deuxième jardin, pas mal de légumes quand même, pour une année où tu devais arrêter. Principalement pour faire de la semence. Et là, je m'amuse bien avec ça depuis quelques années. Donc là, bon, c'est les courgettes semences, mais bon, on s'en sert aussi pour manger, mais elles sont toutes là pour ça. Donc il y a à chaque pied des grosses courgettes comme ça. Le maïs, et là, l'oignon aussi, toutes les salades sont en train de monter à graines. Et l'idée qui me plaît beaucoup, là, c'est de commencer à m'amuser à faire des semences population, à essayer de mélanger plusieurs variétés et de jouer sur l'effet hétérosis et d'avoir des plantes beaucoup plus vigoureuses, d'une part, d'arrêter avec ce trip variétal qui est en fait un trip géniste, de dire voilà, il faut le phénotype de la tomate, c'est celui-là et pas autrement en compagnie, c'est de la foutaise. Il faut laisser les plantes s'adapter à son terroir, à son contexte pédoclimatique. Et ça m'intéresse d'autant plus que les semences qui sont produites normalement, qui sont au catalogue officiel, elles sont, bon, d'une part, les variétés reproductibles sont en train de disparaître comme peau de chagrin. On a du F1 non reproductible, ça roule pas. Et c'est du bio. Bon, je suis très critique sur le bio, bien que voilà, moi je le garde aussi parce qu'il y a le crédit d'impôt bio de 3 500 € par an, c'est clair. Sans ça, je suis quand même assez critique là-dessus, sur les pesticides et compagnie. Enfin, et la semence qui est sélectionnée et qu'on peut acheter en tant que maraîcher, c'est de la semence qui est sélectionnée en travail du sol avec des engrais, des pesticides. Quand on connaît le pouvoir d'adaptation génétique d'une plante à son terroir, ce serait vraiment trop dommage de se passer de ça. Et donc là, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir des plantes qui sont adaptées à des retards de minéralisation, à pouvoir traverser des couverts. Et le grand trip là, de pouvoir me retrouver avec des grandes quantités de semences et avec des bonnes vigueurs, c'est de m'amuser de plus en plus à les faire à la volée. Et celles qui sortent du couvert, et ben, je les garde, je les sélectionne petit à petit comme ça. C'est assez récent, ça a 3 ans, cette histoire où je commence à le faire. Et voilà, du coup... Quel légume à la volée, là, déjà ? À la volée, ce qui marche très très bien, c'est le rutabaga. Alors ça, c'est mon légume fétiche, j'adore. Concrètement, tu fais comment ? Alors concrètement, c'est un couvert d'hiver qui arrive à maturité, donc qui dépasse un petit peu les 2 mètres. Il est couché à peu près à la mi-juin. Si c'est pas enherbé, tout va bien. Si c'est enherbé, il y a une bâche pendant une semaine, pour arriver à calmer un petit peu tout le monde, parce qu'il ne faut surtout pas semer à la volée du légume sur une planche enherbée, ça ne va pas le faire. Du coup, si c'est le cas, il y a une bâche d'une semaine, ça suffit pour calmer l'herbe qui est déjà tabassée par le couvert végétal et compagnie, plus les substances allélopathiques qui se libèrent dans la dégradation du couvert, enfin, c'est tout un sujet, quoi. Donc, un coup de bâche si besoin, ça sort, j'attends que les pailles du couvert soient hyper sèches avec un soleil au zénith. Et là, je prends mes semences de rutabaga. Alors, je suis parti sur, là, les essais, pour l'instant, j'en suis à 300 graines au mètre carré. C'est beaucoup trop. Moi, je veux finir avec 30 rutabaga au mètre carré, mais je préfère en mettre 300. Mais alors, 300 graines au mètre carré, ça te tient, mais c'est une pistouille comme ça. Et quand tu as la planche de 25 mètres linéaires, donc 25 mètres carrés, tu as un tout petit peu de rutabaga, quoi. Donc là, il ne s'agit pas de faire des grands gestes de semis à la volée comme pour les couverts. C'est vraiment tout penché comme ça, au fond. Et tu saupoudres comme si tu donnais à manger à des escargots. T'as ouvert un sillon, non, rien du tout. Sur les pailles en direct.
Après, je passe avec le croc, tu vois, un croc, quoi, mais sans toucher le sol, c'est juste pour bouger les pailles. Alors, il y a un petit geste des fesses comme ça pour arriver à faire tomber les graines au sol, et c'est fini. Le seul truc à veiller ensuite, c'est d'arriver, il faut arroser abondamment parce que les graines se retrouvent en surface, il ne faut surtout pas dessécher le profil. Et une fois que la graine est partie, et le rutabaga, ça marche bien justement parce qu'il a un pouvoir germinatif génial, quoi. Donc, lui, tu le sèmes, il germe. Et ce truc-là sort. Et l'an dernier, j'ai eu une super expérience avec ça, c'est que j'ai laissé s'enherber par-dessus. L'herbe a dépassé le... Enfin, c'était pas de l'herbe, hein. Il y avait un peu de kénopode, un peu de chardon en compagnie. Non, en reprise du couvert, celui-là, il redémarre pas. Quand on le couche mi-juin, même l'avoine, elle redémarre pas. Plutôt, l'avoine, elle peut poser souci, mais là, ça va. Et j'ai laissé ça s'enherber. Et comme j'avais beaucoup trop de rutabaga, j'ai pu faire un désherbage un peu olé olé méchant, tu vois, même si j'arrachais du rutabaga, je m'en foutais. Et après, à la fin, j'avais ma planche de ruta, elle était toute belle et c'était fini, quoi. Donc ça, c'était top. Une demi-journée en désherbage ? Ah non, une demi-heure. Ah, c'est super cool. Donc ça marche très très bien pour le rutabaga, la rave limousine, la betterave, un peu moins bon, mais ça marche quand même. La carotte, parce que je suis en train de m'amuser. Ouais, mais c'est parce que je m'amuse. Germinatif de la carotte, c'est pas même. Je sais, mais je suis en train de m'amuser à hybrider une carotte fourragère, une jaune du Doubs, avec une nantaise. Donc elle s'hybride depuis un moment, mais bon, c'est lent parce que c'est tous les deux ans la carotte hein, pour arriver à faire le truc. Et après, je les resème et c'est reparti pour un tour. Et celles qui sortent, je les sélectionne comme ça. Radis noir, je l'ai dit, navet, ça marche très bien. Tu vois, les crucifères qui envoient, c'est cool. L'épinard, ça marche aussi. Je crois que j'en suis là des essais. J'en oublie un, je crois, mais ça reste assez modeste pour l'instant, ça. Voilà. Et c'est les seuls que tu fais à la volée ? Les blettes, ça marche. Les salades. Les salades à voler ? Ouais. C'est pour ça que je m'amuse à faire beaucoup de salades. Ça roule. C'est tout pour l'instant. Je crois que c'est tout. Et après, tout ce qui est bulbi, j'ai arrêté parce que je ne sais pas les faire. Je cherche la recette du bulbi. Je ne sais pas le faire, putain. J'arrive pas. Je l'ai fait, mais après, dès que je les plante, ils montent à graines. Donc, il y a un truc que j'ai pas pigé quelque part là sur la périodicité. Donc, non, je fais que... Donc, c'est ou semis à la volée, ou semis en pépinière, en motte, et repiquer. Donc, le repiquage, c'est simple. Il faut écarter le couvert, faire un tout petit trou plus petit que la motte, appuyer fortement et c'est terminé. C'est au couteau À la gouge. Mais bon, un couteau, ça pourrait passer très bien aussi. Il y a le poireau qui est un peu particulier aussi parce que lui, il démarre en pépinière. Et ensuite, c'est le seul moment où je peux sortir une grelinette. Mais pas pour faire comme ça. C'est juste avoir les trous de la grelinette et enfoncer les poireaux à l'intérieur. Et puis c'est terminé. Voilà. Le semis de grosses graines, c'est type haricot. Je fais que du haricot grimpant. J'ai arrêté le nain. C'est pareil, hein, un trou avec le doigt, une graine, un trou avec le doigt, une graine, un trou avec le doigt, c'est facile comme tout. Est-ce que tu veux l'avoir en rang ? Ouais, je veux l'avoir en rang. À la volée, c'est pas gérable ? Non, moi, avec le filet qui est au-dessus, il me faut du rang, quoi. Y a ça, en particularité. Y a la pomme de terre qui est particulière, qui est là derrière. Où là, c'est avec... en fait, l'histoire, c'est que j'étais arrivé avec un semis... un couvert végétal d'hiver... qui était beau, tu vois, fin mai, qui était cool. Je l'ai couché et après je m'amusais à écarter, à mettre ma patate à chaque fois. Je me suis fait putain, c'est infernal parce que le champ de patate il est gros et tu te casses le dos et c'est à une période de l'année qu'il ne faut pas chômer, quoi. Je me suis dit, il n'y a pas de raison parce que si je veux que la patate elle soit en bas, je peux la mettre directement en bas, quoi. Donc j'ai, dans le couvert haut, j'ai pris les patates et je les ai jetées dans le couvert à la volée. Alors il y a un coup à choper pour arriver à avoir 5 patates au mètre carré. Mais voilà, mais l'idée c'est que moi, comme la planche fait 10 mètres de large, le champ, je sais que je me mets en bout de parcelle, je vois le fil qui est à 5 mètres, donc je fais un jeté à 5 mètres, un jeté à 4 mètres 50, un jeté à 4 mètres, un jeté à 3 mètres 50. Après, je me décale d'un demi-mètre, je refais la même chose, et à la fin, il m'en reste, et puis alors là, c'est festival, on jette les patates. Le couvert est couché par-dessus au rouleau faca, et c'est le seul légume ici qui n'est pas autonome en carbone. Et là, je suis obligé de rajouter du foin par-dessus, donc ça. Les azins végillés. Bah, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, les UV arrivent quand même à traverser en fin de saison et la patate se charge de solanine et c'est pas cool. Voilà, c'est le seul. Donc c'est un légume de luxe pour moi parce qu'il est hyper consommateur en eau, il consomme du carbone extérieur et en plus, il faut le tuer des doryphores. Donc voilà, c'est un produit de luxe pour moi, la patate. Voilà, et après, il reste le semis de petites graines type carotte
Et là, ce que j'ai trouvé de mieux, c'était de reproduire ce que ferait un semoir à semis direct sous couvert. Donc à savoir trancher le couvert, l'écarter, semer, plomber et refermer par-dessus. Et on n'a pas de semoir en maraîchage pour ça. Et mon outil de prédilection pour ça, c'est la machette. Voilà. Donc c'est sport. À la fin, j'ai fini aussi par la scie sabre sur batterie. Tu vois, avec une lame pour le bois, ça vibre, ça fait du bruit, c'est sur batterie, c'est chiant, mais c'est moins usant que la machette et c'est quand même plus rapide. Rotophile ? Non, rotophile, j'en fous partout, des bouts de plastique partout. J'ai essayé la scie circulaire, c'est une connerie. J'ai essayé la disqueuse, la grosse disqueuse. J'ai arrêté quand le disque s'est cassé sur un caillou et qu'il m'est passé là. J'ai dit, on arrête tout. J'ai essayé la tronçonneuse, le tailleuet, le couteau à pain entre deux planches, tout fait. Donc la machette, c'est top, parce que ce truc-là, je veux dire, t'as des graines de couvert et t'as une machette, tu survivras, quoi. Tout va bien. Et il faut savoir aiguiser une machette, c'est tout. Et donc voilà, tranchage du couvert. J'écarte à la main en faisant un rouleau, tu vois, tu le tranches comme ça, et puis après tu as toutes les pailles qui viennent ici, donc il faut le rouler sur lui-même pour garder une rigole, ça fait une rigole comme ça, de 10-15 cm. Au milieu de la rigole, avec mes petits doigts, j'enfonce de 1 cm sur le rang, je fais pré-germer les carottes à la cuisine pendant 3 jours, je les sors, je les enrobe d'argile, mélangée avec du terreau. Après, je viens semer par-dessus et je rajoute les panais à ce moment-là, qui ne sont pas pré-germés parce que c'est une graine plate. Et quand, et pour, ouais, panais-carottes mélangées. Et après, je viens semer là-dedans, je referme en plombant. Et après, je rajoute un petit peu de chènevotte de chanvre que je fais là, par-dessus. Parce que si je remets tout le couvert par-dessus, ça foire, elle ne sort pas, elle s'étiole. Donc, je rajoute un petit peu de chènevotte de chanvre pour protéger le sol des UV et surtout pour garder l'humidité et la fraîcheur. Éviter le dessèchement, parce que là, il faut arroser beaucoup, parce que ça, on est en surface. Voilà, c'est assez fastidieux, c'est pour ça que le semis à la volée de carottes, je trouve ça sexy, quand même. Et voilà. T'as, alors peut-être question difficile, mais t'as une idée de tes rendements sur tes itinéraires à la volée, sur 2-3 légumes, là ? À la volée ? Bah, par exemple, la patate à la volée... Ah oui, patate à la volée, on est à 5 kg du mètre carré, ça c'est facile. Le rutabaga, c'est énorme, le rutabaga, c'est monstrueux, tu te retrouves avec 30 rutabaga comme ça, enfin, c'est merveilleux. Je sais pas, de mémoire, je sais pas, 15 kilos, enfin, 10, 15 kilos, je sais pas, je dirais une bêtise. Après, le reste, non, je pourrais pas te dire de tête, et puis ça reste des essais encore. Nickel, donc là, serre de légumes, haricots, tomates. Tu veux nous parler un peu de tes itinéraires tomates ? C'est classique ? C'est assez classique en soi. Là, ce qui est un petit peu différent, c'est que c'est semé très tard, ouais, par rapport aux autres maraîchers. Implanté très tard aussi, famé. Okay. Ça fait un gros décalage au niveau de la production. La tomate, pour de vrai, ça démarre en début août, quoi, pas avant. Et là, j'ai pris encore plus de retard en me la jouant cool. Voilà, mais l'idée, c'est de leur... c'est d'avoir une croissance lente des tomates. Comme ça, ça fait une production très échelonnée. Il n'y a pas un pic de production et ensuite le truc où je suis fatigué, j'ai tout donné. Là, ça va donner petit à petit tout au long de la saison. Tu vas tailler tes premiers bouquets ? C'est beaucoup plus sympa. Au niveau de la taille, là, je suis resté en mode assez classique en faisant des tire-sèves pour privilégier le végétatif de la tomate. D'accord ? Non, ça, tu connais pas. Le tire-sève ? Ouais, le tire-sève. Ben, par exemple, là, tu vois, est-ce que j'ai un gourmand là ? Ouais, voilà. Là, je vois, j'ai un gourmand ici. Uh-huh. Plutôt que de couper le gourmand à la base, je vais juste enlever l'apex du gourmand. D'accord ? Et là, ça va faire un tire-sève et la tomate, elle va rester en stade végétatif. Ok ? Ouais. Une fois, et ça, on va le garder. Je vais essayer de ne pas les stresser du tout. Elles auront assez d'eau, elles n'auront pas trop chaud, pas trop froid, elles seront bichonnées comme tout. Et quand elles auront vraiment bien poussé, donc là, voilà, il faut une branche assez épaisse. Une fois qu'elles arriveront à la barre de culture et que la structure végétale sera bien comme il faut, là, on pourra la stresser et déclencher le stade génératif, où là, elle va commencer à faire beaucoup de fleurs. Et donc là, tu les tires, c'est gourmand ? Là, pour passer en stade génératif, tu coupes les gourmands à la base. Tu la stresses au niveau de la flotte, tu laisses les serres ouvertes pour qu'elle ait bien froid, et ensuite tu,
tu tailles feuilles et gourmands de tout ce qui est sous le bouquet qui est en train de tourner. Voilà. Et tu remontes petit à petit comme ça, et ensuite il faudra descendre la tomate petit à petit. Elle va s'enrouler sur elle-même et la tige va être dénudée à la base. Voilà. Et donc tu as des cales aussi quand tu descends la ficelle? Non, elle s'enroule. Okay. Elle s'enroule sur elle-même. Après, ça ne fait pas non plus des tailles monumentales. Hein. Mais quand voilà, la barre de culture elle est à peu près à 3 mètres, quand il y aura 5 mètres de tomates, on sera au bout. Quoi. Là, je pourrais couper l'apex terminal et ça sera fini. Et à partir de quand est-ce que tu déclenches Quand je suis à la barre de culture. Ça arrive quand dans la saison, ça? Oh, ben ça va être début août, quoi. Ok. Et donc une ou deux semaines après, t'as les tomates à maturité. Bah là, ça commence déjà un petit peu avant. Hein. C'est pas parce que tu déclenches le stade génératif qu'elle commence à faire la tomate. Il y en a déjà, mais voilà, quand ça va vraiment envoyer de la fleur pour la suite, c'est là que ça se joue. Voilà. Et après, ça fait pas des productions monumentales, hein, parce que c'est pas du F1, il n'y a pas d'engrais, il y a du retard de minéralisation. Donc je reste très très modeste sur la prod. Oui, 5 kg par pied, je trouve ça déjà très bien. Quoi. Le haricot, déjà, lui, ça donne beaucoup plus. Tu vois, on est plutôt à 10 kg du mètre linéaire. Mais voilà, il y a une graine tous les 5 cm, ça monte très haut, ça descend. Enfin, et pareil, le haricot, c'est assez sympa avec ce système-là, c'est qu'il a une production très 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 échelonnée. Tu peux récolter toutes les semaines, enfin c'est plutôt tous les deux jours. Mais, Donc là, tu les as laissés pour faire ta semence? Là, cette partie-là est pour la semence, là-bas. Voilà. Et à partir d'ici, je commence à récolter. Ouais. Okay. Voilà. En tomates, tu fais combien de variétés différentes? Alors là, je ne sais plus. 7-8 à peu près, ouais. Par là. Ouais. J'ai arrêté le délire. Avant, je faisais donc 60 légumes différents et un peu plus de 200 variétés. Ça, j'ai arrêté. À partir du moment où j'ai commencé à faire la semence, j'ai dit, en fait, ça m'intéresse beaucoup plus d'avoir ma semence à moi. Et je peux pas tout faire non plus, donc je sélectionne ce que je préfère. Et ça me paraît plus pertinent que d'avoir une multitude de variétés comme ça. Quoi. Là, par exemple, pour les tomates, pour faire ta semence, tu vas récolter combien de kilos de tomates ou de tomates Je vais prendre il me faut au moins 10 pieds différents par variété de tomates. Okay. Je vais essayer de prendre le premier ou le deuxième bouquet, et ça suffit. C'est bon. Voilà. Et après, c'est pas je ne fais pas une sélection, à moins d'avoir un pied vraiment rabougri qui fait la gueule, qui tombe malade, là je ne prendrai pas, mais sinon je prends tout. C'est une sélection massale. Et puis voilà. Après, en densité, la plantation, t'es tous les 50 en devant ? Ouais, là, on est à 4 pieds au mètre carré, c'est assez classique. Ouais. Sur une seule tête. Ouais. Oui, parce que là, c'est pas du F1, donc deux têtes, ouais. ça rime à rien. Là, c'est assez classique. Sinon, pour les autres légumes, j'essaie de densifier au maximum. Et il y a des trucs qui sont assez intéressants. Ouais. Par exemple, le poireau, je suis à 80 pieds au mètre carré. Ça passe. L'oignon aussi. Tout ce qui est légumes racines, rutabaga, betteraves, navets et compagnie, je fais 16 mottes de 3 graines à chaque fois au mètre carré. Okay. Voilà, et ça passe aussi. Après, c'est un peu plus pénible à la récolte où tu dois t'amuser à récolter la betterave la plus grosse en tenant les deux copines, tu vois, pour que les autres continuent à pousser et essayer de faire comme ça. Salade, je suis à 16 au mètre carré. Épinard, 25. Chou chinois, 25. Enfin, l'idée, c'est de densifier au maximum, de faire le truc le plus petit possible. Pour l'enherbement, pour la flotte, pour le temps de circulation, qui est énorme en réalité quand on se balade à droite, à gauche, machin. Plus c'est petit, plus on économise d'énergie. Ouais. Tu t'organises comment du coup? Tu as une planche par légumes, tu croises tes plantations? Il n'y a pas d'association de plantes, c'est plutôt des planches de 1 mètre de large. Le gros du gros, c'est ça. Ouais. Ouais. Okay. Après là, il y a du basilic au pied des tomates, mais c'est... Parce que c'est facile et c'est la blague, mais c'est tout. Il y a pas de, je m'amuse pas à faire une tomate, une aubergine, un machin. Ça marche pas, ça. Du coup, tu disais 1 mètre de large, 35 de long et en passe-pied. Et en passe-pied, jusque-là, j'étais sur 50 cm. Ouais. Et c'est trop petit. Ouais. Ça, donc là, je vais passer à 70. Ok. Et comment tu gères l'enherbement sur le passe-pied? À la main. Okay. Donc, tu as un passage... À la main. Et après, là, cette année, ce que je commence à faire, c'est à cette période-là, là, je viens de le faire il y a quelques jours, donc je ne sais pas si on va le voir. Je mets du sarrasin maintenant. Donc voilà, là, ce qui est important déjà au tout début, c'est le petit grumuleux de surface qui est vraiment important pour arriver à faire des semis à la volée, parce que si c'est tout sec, tout dur, les graines, elles n'y vont pas. Donc ça, c'est vraiment
vraiment important d'avoir ces petites boules là de base. Voilà. Bon, la limace, tu te pousses, merci. Voilà, ici déjà la bêche rentre mieux qu'en bas. Je vais essayer de la sortir en entière, mais j'y crois pas trop quand même. Voilà, là on voit bien. Voilà, là on voit bien la matière organique en surface ici, et qui descend, il y a des traits comme ça. C'est la biologie qui la fait rentrer petit à petit, quoi. C'est plein de galeries, des racines, c'est... Ouais, voilà quoi. Et ce qui me plaît beaucoup avec ça, c'est que c'est des humus qui sont, comment dire, ils sont ni trop stables, comme des humus archaïques quand on aurait ramené du BRF ou du broyat extérieur, avec des chaînes carbonées trop complexes à digérer pour le sol. Et c'est pas non plus du hyper vite assimilable qui va fuiter tout directement, quoi. Bien qu'il n'y ait pas d'argile et que ce soit le grand regret ici, il y aurait beaucoup plus de stabilité avec des argiles. Est-ce que tu retrouves une forme de lissage en profondeur qui est liée à ton labour il y a 10 ans ? Ah oui, oui. On va continuer à creuser. Mais il y a un moment où tu vois, ça s'éclaircit petit à petit, quoi. Et après, on va taper dans le dur. Est-ce que tu as envisagé un moment de décompacter au moment de labourer pour éviter justement d'avoir ce lissage ? Ça aurait pu, ouais. Après un labour, pourquoi pas mettre un coup de sous-soleuse. Puis à ça près, quoi. Bah oui, mais bon. C'est clair. Mais là, ça s'est pas présenté. Je l'ai pas fait. Et c'est surtout qu'il aurait fallu... Il aurait fallu drainer, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Soit. Donc là, tu descends à 35, quoi, 40. Mmh. Tu descends à 40. Ouais, 40, 50. Après, on commence à taper. Ça y est, tu vois, on est dans le dur, donc on a un petit 40, ouais. Un petit 40. Et sur ce petit 40, après, tu vois, ça, au fond, c'est encore très clair, mais il y a déjà un bon 15 cm de noir, quoi. Oui, donc pour la gestion de l'endherbement, c'est un dossier, parce que comme on perd le travail du sol qui est un outil de désherbage, là, c'est pas du tout le même trip où en maraîchage classique, on aura beaucoup d'annuels en pression. Là, les annuels, il n'y en a quasiment jamais, c'est plutôt des vivaces. Et la prairie qui a toujours envie de revenir par où elle peut, quoi. Et lutter contre une prairie, c'est même pas la peine d'y penser, la prairie gagnera tous les coups. Donc l'idée, c'est d'avoir plutôt une gestion pour pas se retrouver en lutte. J'en suis arrivé à me dire que si je luttais, je perdais. J'avais déjà perdu si je luttais. Et il y a beaucoup de leviers auxquels il faut être vigilant tout au long de l'année pour l'herbe. Et en gros, il y a les couverts végétaux, il faut absolument réussir les couverts végétaux. Au-delà de l'enracinement, de l'activité biologique et compagnie, c'est voilà, si un couvert est vraiment réussi, qu'il est dense, qu'il fait 4 mètres de haut, l'herbe en dessous, elle est plutôt calmée. Quand le couvert végétal est ensuite détérioré, il libère des substances allélopathiques, donc ça aussi, ça va inhiber la germination et la croissance des adventices. Il y a les bâches en soupape de secours. Si là, c'est trop foiré, il y a une semaine de bâche, ça suffit largement pour calmer tout le monde, pour refaire de nouveau un autre semis. Le meilleur truc pour moi, ça restera quand même d'avoir un sol toujours couvert et structuré. Et un sol structuré biologiquement, il aura moins tendance à faire pousser des plantes trop agressives, genre des chiens d'Inde, des chardons et compagnie. Mais ça a quand même ses limites. Là, moi, je commence à être envahi de liserons très sérieusement. Le liseron, d'après Gérard Ducerf, c'est un tassement du sol et une fuite de nitrate. Alors, ben oui, je veux bien croire que même après 10 ans de non-travail du sol et de couvert, et ben, il y a encore des tassements. Et le coût des fuites de nitrate, pour moi, c'est très clair, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'argile ici.
c'est hyper fragile. Et j'ai compris ça quand il y a des moments où il y avait un petit peu d'herbe comme ça qui pointait le bout de son nez. Je bâchais pendant une semaine. Et quand je débâchais, il y avait des liserons qui avaient germé. Et clairement, la bâche, comme ça réchauffait plus vite sous la bâche, c'était humide, fuite de nitrate, et le liseron se pointe. Et comme c'est le seul qui est franchement ingérable, tous les autres, c'est gérable. Mais alors le liseron, c'est l'horreur. Et là, pour le coup, au niveau stratégie, j'arrive au bout. Je ne sais pas quoi faire avec lui, je ne vois pas. À part bichonner encore plus. Là, au niveau du blé, j'aurais pu m'en sortir mieux que ça, parce qu'il y a 15 jours, c'était beaucoup plus clean. Et j'aurais pu moissonner plus tôt et éviter ça. Pour le reste, au niveau des légumes, ça va, parce que ça se désherbe en le prenant à temps, c'est OK. Mais dans les couverts végétaux, ça peut poser vraiment un problème, ouais. Parce que là, il arrive quand même à passer, et il monte sur les couverts végétaux, et il a un truc, c'est... Il arrive à prendre des sorgho 3 mètres de haut et les fout par terre. Hein. Ouais, ben des tournesols, tout, il fout tout par terre. Et tu te retrouves avec un espèce de tapis épais comme ça, le liseron. Et bien, putain. Puis même pour tes semences aussi, on voyait tes carottes. Ah non, ça roule pas. Là, ça roule pas. Mais c'est des créneaux où le liseron est encore cool. Tu vois, la mi-juin, fin juin, c'est OK. C'est là, c'est maintenant que ça commence à devenir problématique, le liseron. Et là, c'est un peu tard pour passer dans des couverts pour le désinguer. Enfin. Donc on va voir, il va faire sa vie, et puis on verra bien. Obé, Yann, explique-nous qu'est-ce qu'il y a derrière toi là, c'est impressionnant. C'est le couvert d'été. Donc, non, là on n'y est pas encore, non. Là on est à 3 mètres. Ouais, 3 mètres. Un quoi, petit 3 mètres. Quoi, et ça va continuer. Là, c'est surtout du sorgho ici. Le chanvre a foiré cette année. Je ne sais pas si mes graines étaient trop vieilles ou je ne sais pas. Mais pourtant, j'y tiens beaucoup au chanvre. C'est celui qui fait le plus de biomasse, le meilleur système racinaire et des carbones à pleurer. J'adore ça. Mais c'est assez capricieux le chanvre au niveau de la germination. Et comme les graines sont chères. Je ne m'amuse pas à en racheter tous les ans, donc je garde mes vieux stocks, et puis cette année, voilà. Tu fais quoi? Tu fais 50-50 Ouais, sur le chanvre, chanvre-sorgho. Ouais, chanvre-sorgho. Ouais. Même un peu plus de chanvre que de sorgho, quoi. Donc là, c'est un peu maigre, mais bon, ça fait quand même le boulot, ça va, le sorgho s'est bien développé. Et ensuite, il y a très très peu de légumineuses à l'intérieur, un peu de vesse, un peu de pois, un peu de facélie, qui n'est pas une légumineuse, mais elle est là, et surtout du sarrasin. Et le sarrasin, il est assez intéressant parce que c'était une plante que je ne voulais pas mettre dans les couverts au début, en me disant, voilà, il faut que toutes les plantes arrivent à fleurs en même temps pour pouvoir les rouler, pour pas qu'elles se ressèment toutes seules. Et le sarrasin, lui, il arrive à graines beaucoup plus vite que les autres. Mais une fois, je me suis amusé à en mettre un petit peu, en me disant, bah, on va voir quoi, ce qui se passe. Pas de suspense, il s'est ressemé tout seul, et c'était pas un problème, et même au contraire, ça a été génial, parce qu'il s'est ressemé, il fait une toute petite plante fin d'été, début d'automne, la gelée arrive et il crame. Et c'est une super plante de sécurité pour les semis à la volée de couvert d'été, parce que de temps en temps, on peut avoir des blagues, tu vois, un sorgho qui sort pas, un chanvre qui sort pas, des fois tu as des spots, ça sort pas, tu comprends pas, mais le sarrasin, lui, il sort à tous les coups. Il a un pouvoir germinatif incroyable, donc lui, il est là. Et s'il n'y a pas le sorgho et le chanvre, il va tapisser le sol, il va faire son boulot, il va le couvrir, il va envoyer des substances allélopathiques pour éviter l'enherbement. Et si jamais c'est le sorgho et le chanvre qui sortent, eux, ils dépassent et puis ils le tuent. Donc, c'est tout bénef. Tu le mets à quelle dose, du coup, le sarrasin? Le sarrasin, dans le mélange, en prenant un mélange de 100%, parce que sinon, je disais que je faisais du 200%, donc on ramène tout à 100%, je pense qu'on doit être à 10-15% à peu près. Et ça suffit pour couvrir le sol déjà, voilà. Ouais. Donc en fait, quand moi je dis 15%, en réalité c'est 30% de la dose. Ouais. Donc un sarrasin qui se sème à 40 kg hectare, tu vois, je vais le semer à 15 kg du coup. Donc ça fait quand même de la graine. Waouh. Et donc là, c'était couvert sous serre qui monte à 4 mètres de haut, c'est ça? Voilà, là c'est la serre couverte d'été, légumes d'hiver. C'est une rotation systématique à chaque fois, donc c'est un petit peu l'ennui ici. J'ai deux grandes serres, donc une serre avec les légumes d'été, une serre avec les légumes d'hiver, et donc c'est toujours la même rotation avec un couvert d'été, un légume d'hiver, un couvert d'été, un légume d'hiver, un couvert d'été, un légume d'hiver, et il faudrait arriver à faire la bascule de temps en temps. Donc là je le fais cette année, donc ici normalement c'était rempli de solanacées et avec du couvert d'hiver, et là j'ai interverti.
Voilà, donc ça pousse très très fort sous la serre, ça monte à plus de 4 mètres. Le faîtage est à 4 mètres, mais ça dépasse largement, ça se plie sur la bâche. Et c'est assez sympa en production de biomasse. Ça permet de voir le potentiel des plantes, jusqu'où on peut aller. Comment tu détruis ça, ça massif? Rouleau FACA. Donc le tracteur, il rentre là? Ouais, il passe tout pile poil. Et sinon, il y a la planche FACA aussi, parce qu'il y a toujours des recoins, des rebords auxquels j'arrive pas à avoir accès. Et c'est juste une planche avec deux cordes et une cornière métallique. Et ça suffit pour... ça fait le même effet qu'un rouleau FACA, en moins sympa. Détail d'importance, t'es en serre à bord droit? Ouais, serre à bord droit, avec les murs qui se relèvent. Oui. 10 mètres de large, 35 mètres de long, un peu plus, 37 mètres à peu près. C'est ça. Demi-lunes qui peuvent s'ouvrir? Non, elles ne peuvent pas s'ouvrir. Mais ça suffit comme ça déjà, c'est largement suffisant. Ouais. Après, il y a l'aspersion, mais bon, l'aspersion elle est un peu bloquée maintenant par le sorgho. Et voilà. Et là, quand tu couches un couvert aussi épais, ça te fait quelle épaisseur de mulch au sol? C'est pas si... Avec le rouleau FACA qui tasse fortement, ça fait un truc comme ça. Mais et la planche, le souci, c'est que ça fait quelque chose d'un peu plus aéré. C'est moins bon pour la gestion de l'enherbement. Voilà. Comment ça? Si tu laisses passer, si c'est un peu plus bouffant, la lumière arrive à passer au travers. Ah oui, la planche FACA. Voilà. Voilà. Et le rouleau, il fait quelque chose de beaucoup plus homogène, bien tassé comme il faut, et sans tasser le sol. Parce que là, il y a une portance juste géniale. Donc tu ne vois pas les passages, les roues du tracteur, tu ne les vois pas sur le sol. Et le rouleau non plus, lui, il pèse. Il fait 400 km linéaire, mais c'est que dalle. Quoi. Et ton mulch, il tient la saison d'été? Et le but du jeu, c'est que le mulch tienne toute la saison. L'été ou d'hiver, ouais. Mettons. Et ça, c'était un critère de choix dans le mélange du couvert. Parce que le seul truc que je pouvais choisir vraiment au-delà des variétés de plantes que je pouvais mettre dans le couvert, c'était la proportion de carbone et la proportion d'azote en jouant sur légumineuses et paille. Et au début, je disais que j'étais sur une proportion moitié-moitié et c'est ce qu'il fallait pour l'aération du sol. Jusqu'au jour où, pour relancer la biologie, il fallait de l'azote et un petit peu de carbone. Jusqu'au jour où le carbone a été digéré beaucoup trop rapidement. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, je peux diminuer la part d'azote et j'augmente la paille. Et là, je suis à 90% de paille dans le système, 10% de légumineuses. Et on va voir la suite. Si ça continue comme ça, si le sol continue à se développer au niveau de la biologie, peut-être qu'il y aura un couac de trop digérer et il va falloir faire pousser des plantes à 7 mètres de haut, je sais pas. Mais là aussi, il y aurait pas mal de recherches à faire, de trouver des plantes géantes, fortes biomasse. Et pour ça, le chanvre, c'est ma plante fétiche. Quoi. Et donc, à mi-parcours des tomates, tu vas venir semer un sarrasin alors ouais. Ben là, il faut que je fasse ça maintenant, là. Intéressant. Voilà. Il y a d'autres cultures comme ça que tu t'amuses à semer en plein dans les cultures, par exemple un trèfle ou quelque chose comme ça? Alors, il faut faire gaffe avec les trèfles, hein. Surtout pas de trèfle vivace, ça j'y touche pas. S'il y a du trèfle, c'est de l'incarnat que j'utilise. Mais bon, les levées sont pas forcément évidentes avec l'incarnat ici. Non, il y a la moutarde qui est super en dérobée aussi, comme ça. Tu vois, s'il y a une culture par exemple qui souffre un peu trop de la limace, parce que c'est comme ça, une année ça peut arriver, ben, je balance de la moutarde. Elle, en surface, elle germe, elle fait sa vie, les moutards se mettent dessus et ça laisse les plants décoller. Les limaces se mettent dessus, voilà. Ouais. Ok. Et, voilà. Tu parles de dérober, ça veut dire qu'au moment où tu arraches tes cultures, le principe c'est que du coup le sarrasin il reste en place. Est-ce que le sarrasin résiste à l'arrachage ou qu'est-ce que tu fais avec tes plants de tomates à la fin? Tu les tires, tu les laisses au sol? Alors, les racines restent dans le sol, je coupe à la base, à la machette ou au sécateur, je tire tout, je mets tout au sol, je découpe tout à la machette ou à la faux, et ensuite j'attends que ça sèche, que ce mulch là, soit bien sec, ouais. Tout reste en place. Même s'il y avait une plante malade, elle reste sur place, tout est là, ça reste au sol, j'attends que ça sèche, je le coupe en petits morceaux, et une fois que c'est bien sec, je viens semer un couvert végétal d'hiver par-dessus. Pourquoi tu as besoin que ce soit bien sec? Parce que sinon les graines restent collées au mulch mouillé et moi je veux qu'elles touchent le sol. Donc quand ça fait crac-crac sous les pieds, c'est bon quoi. Et là je sème à la volée, après de nouveau un coup de lambada avec le croc là, pour que les graines tombent au sol et c'est fini. Voilà. Trop bien. Eh bien Yann, merci beaucoup pour cette visite de ferme, c'est passionnant.
Petit mot pour conclure, si il fallait que tu passes un message à ceux qui voudraient avoir un système qui ressemble un peu au tien ou s'installer dans ces conditions-là, ce serait quoi ? De pas trop se faire d'idées, c'est-à-dire que ce sera plus compliqué que du maraîchage classique ou même du MSV, comme on voit. Ce sera plus compliqué physiquement, ça va moins gagner, ça va moins produire. Il n'y aura pas de salariat possible. Ce sera petit, avec l'aléatoire du petit qu'il y a. Oui, oui, parce qu'il y a quand même tout ça, il faut être clair. Clairement, c'est pour ceux qui en veulent, quoi. Il faut vouloir ça. Ou alors trouver une communauté autour qui accompagne ce projet-là pour pas que ce soit trop dur les 10 premières années. Mais ensuite, au-delà de ça, je trouve que c'est je sais pas comment le dire, le fait de dire voilà, j'arrête le travail du sol, les composts, les engrais, les pesticides et compagnie. Ça change tellement le rapport qu'on a avec le vivant, et du coup ça change tellement aussi comment on vit le jardin à l'intérieur et du coup avec les autres aussi, que philosophiquement, spirituellement, politiquement, je trouve que c'est assez génial en fait. Et ce trip de l'auto-fertilité où on déshabille pas Paul pour habiller Jacques, avec les couverts végétaux, et il n'y a que les couverts végétaux qui peuvent faire ça, je vois pas autre chose. Je veux bien parler d'agriculture durable, parce que du coup c'est devenu un gros mot maintenant ce truc-là. Mais là ça a du sens, ouais. Et ça fait grandir, ça fait pousser des végétaux, mais ça fait pousser à l'intérieur aussi.